Cupidon est venu se poser sur moi pendant que je dormais, donc je suis réveillée. Un petit coquin, t'aurais pu te poser là ou là. Mais non, toi, c'était sur ta maman. Ben oui. Donc, j'étais en train de préparer mes habits pour la journée. Cupidon se les est approprié. Toi aussi, tu vas avoir une petite tenue, loulou. Voilà, il y a tout le reste du lit, hein. Mais non, c'est sur mes habits. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on est samedi 16 mars. Il y a juste, je vais faire juste une petite parenthèse. Attends, tu veux dire bonjour où tu es? Il vous fait des bisous. Après tout ce temps où vous lui avez fait des bisous, il vous fait des bisous. Je vais faire une petite parenthèse rapide parce que là, comme vous le voyez, je suis dans ma salle de bain. J'étais en train de me préparer pour vous montrer cette fameuse histoire de rouge à lèvres parce que hier, j'ai trouvé que c'était pas très parlant. Alors, je ne vais pas du tout me transformer en youtubeuse beauté ou vous donner des conseils parce que j'en ai pas donné. Mais comme ça, je vous montre un peu comment ça fonctionne. Vous allez comprendre. Alors là, c'est sûr que, puisque vous me regardez, je vais rater mon gel. Mais déjà, vous voyez, en plus, hey, il m'en reste pas beaucoup. Mais comme je vous le disais, ça doit faire 10 ou 11 ans que je l'ai. Ça s'appelle... Non mais vous voyez, je suis incapable. Ça marche pas. Bon, ça s'appelle film noir. Voilà, comme film en noir et blanc. Et donc là, vous voyez, j'ai du maquillage sur la lèvre du haut, sur la lèvre du bas, ça va. Bon, voilà. C'est pas grave si c'est pas parfait. Je crois que j'ai jamais mis autant de temps à mettre du rouge à lèvres parce que vraiment vous me regardiez. Et là, clairement, c'est genre dark. Moi, je ne porte pas ce genre de couleur. Après, je pense que selon les peaux, etc., ça peut faire très joli. Mais moi, je suis très pâle en ce moment. Et puis même, je trouve que ça ne va pas super bien. Et puis là, typiquement, il est un peu genre mouillé. Donc si je souris, après, j'ai un avare sur les dents. Ouais, ça commence. Voilà, ça va pas du tout. Je prends un mouchoir. Je sais pas pourquoi j'ai tout excité de vous montrer ça, mais ça marche avec plein de rouge à lèvres. Hein. Là, en l'occurrence, il est très foncé. Je pense que ça marcherait pas avec une couleur ultra, ultra claire. Genre, typiquement, ça, ça marcherait pas. Je sais même pas ce que c'est ce rouge à lèvres. On dirait un correcteur. Mais une couleur comme ça, ça marcherait, mais ça se verrait pas trop. Par contre, une couleur genre rouge, ça marcherait super bien. Donc, vous voyez déjà, c'est pas mal. Et en fait, j'ai tout le produit qui est venu... C'est du gâchis, hein. Clairement, c'est du gâchis. Mais... Voilà. Voilà ma technique. Et ça marche super bien. Pour mettre du gloss par-dessus. Bon, alors par contre, utilisez un gloss que ça vous dérange pas qu'après ils prennent la couleur du truc. Mais si vous avez des rouges à lèvres, si vous avez une période dans votre vie, ok, dans les années 2010, je sais pas exactement quand c'était la mode et tout, parce que moi j'étais vraiment jeune, vous avez acheté 10 000 milliards de rouges à lèvres super foncés, diva, typiquement, qui n'avait pas ce rouge à lèvres là dans les personnes un peu coquettes et tout. Tous ces genres de rouges à lèvres et que vous les avez toujours, que vous vous en foutez qu'ils soient périmés ou pas et que vous savez pas comment les utiliser parce que maintenant vous êtes une personne un peu plus classique, on va dire. Enfin, genre que vous mettez pas des rouges à lèvres super foncés. En plus là, pour le printemps, tout le monde fait bien ce qu'il veut, hein. C'est vraiment pas des conseils que je vous dis, mais pour le printemps, il y a beaucoup de personnes qui mettent des couleurs plus claires et en automne, des couleurs plus foncées, etc. Vous pouvez grave faire cette technique-là
Voilà, c'était le petit make-up tip du jour. Là, je suis sûre qu'il y a l'atelier de l'artisane derrière qui est en mode « Mais qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Elle fait n'importe quoi !» Mais bon, ça fonctionne. Donc voilà. Voilà, c'est vraiment pas une technique révolutionnaire. Je n'ai pas inventé les mouchoirs, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que ça tient super bien. Là, surprise, surprise, je vais à la fête de la laine. Donc, on va voir, vous verrez au fur et à mesure de la vidéo si ça tient bien ou pas. Et je sais qu'il y a des encres à lèvres et tous ces trucs-là qui existent maintenant. Mais moi, j'ai déjà tout ce maquillage, entre guillemets, vieux que j'ai depuis que j'ai été ado, etc. Et donc, moi, je trouve que... Ça se périme pas, les trucs de peau, je les changerai, enfin ça se finit donc je les change, mais les trucs de lèvres et tout, les palettes, je sais pas, moi je trouve que c'est pas la peine de, voilà. Et donc je fais avec ce que j'ai, voilà, voilà, celle qui voulait savoir, maintenant vous savez. Voilà, là on va aller faire une petite balade et après on va partir à la fête de la laine. Je suis super contente, il faut que je vous le dise sur Insta comme ça, s'il y en a qui y vont. J'ai déjà envoyé un message à une personne que je savais qui allait et tout ça. Mais ça me ferait très plaisir de vous voir, donc voilà. J'ai mon gilet que je vais mettre là. Et puis je vais aller promener Cupidon et après on va y aller. Il a très envie d'être promené, visiblement. Alors, donc sinon, dans d'autres nouvelles, je sais pas, aujourd'hui, bon, il fait pas extrêmement beau, mais il y a de la lumière, c'est déjà ça. Je sais pas, d'une très très bonne humeur. Enfin, c'est rare que je sois de mauvaise humeur, mais là, j'ai encore plus de peps, on va dire. J'ai changé mon fond d'écran, j'ai mis un petit fond d'écran printanier. Si j'y pense, je vous mettrai... mon fond d'écran, parce que comme je filme avec mon téléphone, je pourrais pas vous le montrer. Là, du coup, on va partir. Je vais mettre un pull à Cupidon pour aujourd'hui, mais là, je vais pas lui mettre pour qu'il puisse un peu se rouler partout sans s'inquiéter. Je prends le gilet de ma grand-mère. Je crois qu'il a pas avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Moi, je suis grave la personne qui s'arrête genre au milieu d'un rang. Voilà. Comme je suis toujours en train de tricoter on the go, on va dire. Donc voilà, je vais mettre un gros manteau et on va aller se promener. Que maintenant, à chaque fois que je vais quelque part et que je risque de vous croiser, en fait, je mets ces bottes-là, les bottes transparentes, que j'ai trop peur. Numéro 1, bah, que je vous croise, que vous ayez mis les vôtres et que du coup, ça est genre... bah, qu'on puisse pas faire une petite photo de nos deux bottes puisque j'aurais pas mis les miennes. Numéro 2, que vous les ayez pas forcément mis, mais que vous soyez déçus que j'ai pas mis les miennes. Du coup, bah, je pense que je pourrais pas faire ça cet été pour les événements, les nœuds et tout. Mais tant qu'il fait encore un peu froid, qu'il pleut, même si de toute manière je sais pas trop ce que je vais mettre comme chaussures, donc au moins j'ai un espèce d'uniforme. Mais voilà, voilà. Et aujourd'hui, j'ai mis des chaussettes. Je crois que c'était la dernière paire que j'ai faite dans le cadre de mon challenge. C'est les Tributary. Dans une laine, le chat qui tricote en coloris praline. Il y a du Stellina, mais ça, je sais pas si on va voir. Bon, ben ça y est, j'ai re la flemme d'aller à la fête de la laine. Il fait trop beau! Mais je vais quand même y aller. Mais en fait, je voulais y aller avec Chloé, comme ça, je me disais. Elle va me raconter toute sa vie. Pendant le trajet en voiture, c'est quand même genre 40 minutes. Donc aller-retour, ça fait 1h10. Donc c'est long, j'aime pas. Surtout si c'est moi qui conduis, après je peux pas tricoter et tout. Mais je vais quand même y aller. Mais je pense que je vais pas rester très longtemps, puisque j'y retourne demain. Y a un truc que j'ai très envie de voir. C'est Ars Mirabilia parce que je pense que ça va partir vite. En fait, elle a montré un contrant, mais il n'y en a qu'un seul. Avec une petite étagère de livres. Je le trouve juste trop beau. C'est un contrant, vous savez, avec les anneaux là. Et comme j'en ai qu'un seul, mais des marqueurs, j'en ai beaucoup. Voilà, j'ai pas forcément envie d'en acheter. Mais un contrant, j'en ai qu'un seul. Donc je me disais pourquoi pas. Mais il y en a qu'un seul.
clairement là, il va être 10h, je suis toujours pas partie. Donc à mon avis, quand je vais arriver, il n'y en aura plus. Si j'arrive pas à avoir ce compte-rend, j'ai le droit de m'acheter un écheveau quelque part, s'il y en a un qui me fait envie. J'ai pas le droit de m'acheter 10 000 trucs. Voilà, il faut être raisonnable. J'ai déjà acheté beaucoup de trucs. Il semblerait qu'il va y avoir tricot et stitch à la fête de la tonte et de la laine la semaine prochaine. Donc, voilà, les achats vont encore puser. Donc là, j'aimerais bien être un tout petit peu raisonnable et pas acheter trop de trucs. Mais bon, je me limite en rien, comme d'hab. Donc, on va voir ce qu'il y a. Mais c'est vrai que là, comme il fait super beau, j'ai un peu plus la flemme d'y aller. 4 minutes de la fête de la laine. Après, je suppose que ça va être un petit peu compliqué de trouver un... Je suis arrêtée à un feu rouge, hein, by the way, guys. Et j'écoute des musiques de notre jeunesse. Je pense que ça va être un petit peu compliqué de trouver une place. On va voir. Alors, ça y est, on est garé. Je vous dis pas combien de fois je me suis reprise à faire mon créneau. L'essentiel, c'est le résultat. On peut pas être fort dans tous les domaines. Hein. Donc, c'est parti. Je vais essayer de trouver où c'est. Je vais essayer de faire un peu vite pour essayer d'avoir mon compte-rend. Voir comment je suis bien garée, par contre. Franchement, regardez-moi ça. Je suis géniale. Malheureusement, j'aurais pas le compte-rend que je voulais, mais il y avait très joli. Ah, merci beaucoup. Mais il y a d'autres compte-rends aussi qui sont très 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 beaux, donc pourquoi pas. C'est magnifique. J'ai regardé énormément cette boîte, elle est trop belle. Ça me fait penser à Lissandre. Coucou. Est-ce que tu as un compte Instagram? Oui, tout à fait. C'est E-Tiré-du-Bas, Austin. Et puis là, je pense à me créer un compte spécial tricot parce que bon, c'est le perso, donc je vous tiendrai au courant de savoir. Mais ouais, mais en tout cas, un vrai plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Et puis vraiment, continuer comme ça, vraiment, c'est une chouette place. Vraiment, j'adore. C'est le moment réconfort de la fin de journée, du coup. Et du coup, là, on est en train de se faire des matchs. Exactement, avec des super petits contrants comme ça. Il y a des couleurs absolument adorables. Et puis, bah, voilà. Donc, on en profite, oui. Alors, est-ce que vous voulez donner un Instagram de tricot ou c'est comme vous voulez? Bah, moi, c'est Knitted by Aline. Génial. Moi, j'en ai pas. Tu fais du crochet, non, c'est ça crochet. Trop bien. Et quoi? Mais moi, je tricote pas. Enfin, je mets pas okay. trop sur Instagram. Okay, je suis, mais je tricote pas sur Instagram. Mais tu nous donneras des nouvelles de ton tricot en marchant. Super. Et vous avez acheté des trucs déjà? Ah oui, ouais. Bah, moi, je garde à la main parce que je regarde toutes les 10 secondes. Cool. Est-ce que tu veux bien montrer Ars Mirabilia? Ouais. Moi aussi, j'ai acheté un truc. Oh, petit chat. J'adore. C'est trop mignon. Adorable. Et là, on va aller dans cette salle du coup. Ouais, ok, c'est parti. Création Solognotte, c'est ça? Je crois bien. Ouais, ouais, trop beau, hein. Il est vraiment super beau. Trop canon. Ouais, hâte de savoir comment tu vas t'en sortir. Je te souhaite, c'est pas difficile, hein. Je suis sûre que tu vas y arriver. Je suis avec Valérie Deveff qui commente tous les jours mes vidéos, donc ça me fait trop plaisir de la voir en vrai. Voilà, et Cupido aussi, ça lui fait plaisir. Tu as un Insta de tricot ou. Oui, tu veux partager avec nous? C'est Valérie Deweb, donc en un mot. D-E-W-E-P. Oui, c'est ça. Ah ouais, ça va. Et avec un E aussi à la fin. Ah oui, voilà. Merci beaucoup, ça me fait trop Merci, plaisir. Merci, moi aussi. Oui, j'ai acheté un écheveau. Oh, ça va. Une membre du club, des chaussettes et des bottes transparentes. Trop, trop belles. C'est Kalinéa, bien sûr. Pas mis les tiennes. Le stand de La Fille au Renard. Il y a des super super laines, mais il y a aussi des super beaux rangements. Oh, c'est sûr que je vais en acheter un. C'est magnifique. Au stand de La Fabrique Poveda. Coucou. Moi, j'avais acheté à Feltin la quantité pour faire ce gilet-là. Petit chien. Ah, coucou. On ne reconnaît ta personne. Avec Garance. Garance, tu as un Instagram de tricot? Non, moi, non, c'est perso mon Insta. Ok. Et là, tu nous as acheté plein de choses. J'ai acheté plein de choses. Tu veux que je te montre? Oh bah oui, volontiers. J'ai acheté du chanvre.
parce que Anna, je me dis que pour tricoter un top d'été, ce serait trop chouette. Wow. Comme je suis fausse rouge, j'ai pris du vert. Ça te va très bien le vert, hein. Ouais, voilà. Ouais. Tout mon sachet vert. Dame Morgane, tout ça, génial, génial. Donc voilà. C'est magnifique. Pour faire un petit top et chez By Night. Ah, By Night. C'est beau ça. Faut que j'y aille. Oh, c'est splendide. C'est super. Ah ouais, et les deux couleurs vont bien. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est magnifique. Ça, c'est vraiment tes couleurs. C'est du Blue Face Leicester et Gotland. Nice. Donc en plus, c'est doux. Ah, enfin, c'est rustique, mais c'est doux. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a une texture qui change. Ouais, enfin, ça fait pas super wash, mais. Ouais, ouais, ouais. C'est, non, pas mal. C'est super. Voilà, voilà. Merci. Vous avez besoin de rien. Sans le mien. J'ai pris. C'est trop bien, il y a plein de choses. Ok, donc il est à peu près 13h. J'ai le cœur rempli d'amour. J'ai rencontré plein d'entre vous. Donc vous verrez peut-être dans les vidéos, celles qui n'ont pas voulu être filmées, ne vous inquiétez pas, je comprends tout à fait, moi je m'expose tout le temps, mais c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas ça m'a fait trop plaisir, Virginie et ta maman, mais trop plaisir de se balader dans les différentes salles du festival. Là je sais pas du tout où j'ai garé ma voiture, donc je suis un peu perdue dans Malakoff, mais c'est pas grave. Ah, le Cupidon qui rencontre un autre chien. Bonjour, viens loulou. Mais donc voilà, ouf, faudra que je vous montre mes achats. J'ai pas été raisonnable, j'ai pas du tout respecté ce que j'ai dit, mais c'était vraiment top. Et puis je vous fais un petit récap un peu plus tard. Alors, je ne peux pas attendre d'être rentrée pour vous montrer mes achats. Je vais vous les montrer dans l'ordre, si je me souviens à peu près de tout ce que j'ai acheté, petit spoil. Alors, déjà, Ars Mirabilia, une chance inouïe. J'arrive devant, donc j'arrive à la fête de la laine dans la salle que je savais où elle était, etc. Et je vois qu'en fait, il y a un monsieur devant moi qui explique un peu aux participantes de la fête de la laine qu'il y a plusieurs salles, etc. Ça arrive à mon tour. Le gars dit « Vous avez entendu ?» J'avais entendu, je dis « Oui, oui, c'est bon, merci !» Il me met le bracelet. J'étais gentille avec lui, hein, vous vous doutez bien, mais j'avais pas trop le time qui me parle parce qu'il fallait que j'aille chercher mon contrat. Je commence à faire le tour, je vois pas Ars Mirabilia, je me dis « Punaise !» et tout. Je trouve. J'y vais. Je demande, je dis, est-ce que vous avez encore le compte-rend avec la bibliothèque et tout? Elle me dit non. Je dis, oh, voilà. Là, je tombe sur Elvire. Bisous, Elvire. Donc, on parle, on regarde les marqueurs et tout. Et là, il y a, je suis désolée, je vais dire Ars Mirabilia parce que j'ai sûrement su le prénom et puis voilà, maintenant je m'en souviens pas. Ars Mirabilia, du coup, qui nous propose, elle nous dit, si vous voulez, je vous fais le compte-rend là. Donc moi j'étais en mode bah oui évidemment, elle me dit par contre ça prend un peu de temps, je dis bah ok, moi je me suis dit elle va me dire ça prend une heure ou deux, je sais pas, j'avais pas très bien compris le principe du truc, elle dit bah à peu près 10-15 minutes, j'étais en mode bah pas de soucis, on est là de toute façon donc il y a aucun problème. Et donc Elvire elle voulait aussi du coup le compte-rend, donc on a un peu un matching compte-rend où on a pris une paire de marqueurs qu'on a divisé toutes les deux et après on a choisi toutes les deux un gros marqueur. En fait, c'était un petit peu dur pour moi de choisir mon gros marqueur. Ma paire, la paire, on a trouvé facilement avec Elvire. Mais par contre, le gros marqueur, j'avais un peu de mal. Et en fait, au début, Elvire, elle avait choisi avait un gros marqueur rose, donc librairie, mais avec un livre rose. Et puis, au final, elle a changé d'avis. Elvire, j'espère vraiment que t'as pas changé d'avis en pensant que je le voulais. Parce qu'effectivement, c'est celui que j'ai fini par prendre, mais je veux jamais vous pousser dans un coin ou un autre d'achat. Mais du coup, j'ai eu vraiment mon compte-rend parfait, sans plus attendre. Ta-da ! Du coup, on a pu choisir exactement ce qu'on voulait. J'ai pris un compte-rend chaussettes car je n'en avais pas. Donc, j'essaye de vous montrer déjà la librairie. Je vous montrerai un petit peu mieux quand je rentrerai chez moi. Et le petit marqueur, du coup, qui se clipse pour marquer les dizaines. Est-ce que c'est pas ultra chanceux que j'ai pu avoir, du coup, ce marqueur? Ce compte-rend, pardon, j'arrête pas de dire marqueur. Ce compte-rend sur mesure où j'ai choisi moi-même les breloques, fait adorablement par Ars Mirabilia,
sous mes yeux. J'aurais dû filmer, mais j'ai parlé avec plein d'entre vous pendant que ça se passait, donc j'ai pas trop eu le temps de filmer. Mais une chance inouïe, des livres roses, encore une fois, une chance inouïe. Ça s'est goupillé, que toutes les parties sont dorées, ça va parfaitement ensemble. La couleur du bois de la bibliothèque est la même. J'ai trop hâte de le montrer à ma maman. J'espère que ça va me motiver à lire encore plus. C'est vraiment mon précieux de chez précieux. Et encore plus parce que du coup, ça me fera toujours penser à Fil de Nuages et à Elvire. Et, parce que pour moi, Fil de Nuages, c'est mon groupe, c'est pas moi-même. Hein. Voilà, donc vraiment... Ars Mirabilia, si vous connaissez pas, mais je pense vraiment que vous connaissez parce que c'est incroyable ce qu'elle fait. J'avais la chance d'avoir deux objets d'elle auparavant. Donc j'avais la petite boîte Baratheon dans la box d'Arco Iris de celle de Lane of Thrones de la famille Baratheon. Je sais plus quand c'était, mais voilà. Et la deuxième chose d'Ars Mirabilia... Non, j'ai trois, j'avais oublié. J'ai les petits marqueurs gaufres, marqueurs qui s'ouvrent et qui se ferment. Gaufres dans la box 11 de Stranger Needs, encore une fois d'Arco Iris. Et j'ai un autre marqueur anneau qui s'ouvre et qui se ferme de la box de Lily Comme Tout de Noël. Voilà, donc j'ai trop de chance, je suis trop contente. Et donc voilà, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai eu mon marqueur, mon compte-rend, c'était ce que je voulais, la site. Je fais le tour pour voir, pour prendre des vidéos pour vous et pour croiser des personnes, ok. J'achète plus rien. Et après, il y a Elvire qui me dit, Éléonore, j'ai trouvé une laine parfaite pour toi. Bah du coup j'étais obligée de l'acheter à cause d'Elvire, merci hein, encore une fois. Elvire elle coud et elle s'est lancée au tricot il n'y a pas très longtemps, elle fait des super trucs. Elle va nous faire un compte Instagram et je vais vous partager parce que je pense que ça va bien vous intéresser. Mais du coup voilà, j'ai acheté ça dans un atelier dans la cour. C'est une base qui s'appelle Mary Nature 100% Merino Extra Fin Non Traité. C'est de la fingering dans la couleur Bloom. Voilà, merci. Merci Elvire. Non mais en vrai je suis trop contente, sinon je l'aurais pas acheté. Elle est magnifique. Voilà voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, alors attendez. J'ai acheté cette petite pochette à aiguille double pointe. Ça j'ai acheté chez La Fille au Renard. Et je trouvais que ça avait l'air bien pratique. J'ai quelques aiguilles de double pointe. Du coup, ça se clipse comme ça. Vous pouvez mettre vos aiguilles dans ce sens-là et laisser votre chaussette pendre comme ça pendant que c'est en cours, ou sinon tout simplement ranger vos aiguilles à l'intérieur. Donc voilà, ça, j'ai pris ça. Après, j'ai eu un cadeau. Alors, il faut savoir que Virginie, elle m'a envoyé un paquet énorme, rempli de cadeaux. Que j'espérais la voir aujourd'hui. Virginie, je lui avais écrit un message pour lui dire si je viens, je te le dis et tout. Quand je suis partie de chez moi, je lui ai écrit, etc. Parce que vraiment, toutes les personnes que j'ai rencontrées par hasard, vous savez que ça m'a fait extrêmement plaisir de vous rencontrer. J'espère que vous l'avez senti quand vous m'avez vue. Mais Virginie, je voulais rencontrer cette personne, genre absolument, absolument, absolument. Du coup, je lui avais écrit quand je partais. Et elle m'a offert un magnifique pins de Loli la Fée avec de la lavande. Ça me fait penser à ma grand-mère. Et Virginie, j'ai oublié de te montrer. J'ai un tatouage ici de lavande. Je sais pas si tu savais. Voilà, ça me rappelle la région de mon cœur et ma famille et tout. Donc vraiment, merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Et du coup, on est allé à Création Solognotte. Je tenais absolument à offrir un cadeau à Virginie. Et du coup, comme apparemment elle a commencé à tricoter les chaussettes, mais ça c'est le genre de truc qui me fait tellement plaisir,
quand vous m'offrez quelque chose, bien sûr que ça me fait plaisir, mais quand vous me dites que vous avez commencé à tricoter les chaussettes entre guillemets grâce à moi, même si réellement c'est votre volonté et votre détermination qui ont fait que vous avez tricoté les chaussettes, mais si j'ai pu un petit peu vous motiver, vous apporter quelque chose, quand vous me dites que vous passez pas une très bonne journée, que ma vidéo ça vous a mis de bonne humeur, quelque chose comme ça, ça c'est le plus beau des cadeaux pour moi, voilà. Mais du coup, je voulais... Donc Virginie me disait qu'elle avait commencé à tricoter les chaussettes pendant mes vlogtobres et elle m'a montré sa chaussette en cours, oh, qui est trop belle. C'est un modèle de tricoter ses chaussettes qu'elle a adapté pour mettre des torsades derrière et tout. Elle est trop forte, elle est plus forte en chaussettes que moi, hein, parce que moi en général je suis les modèles à peu près à la lettre. Du coup, je voulais lui offrir un cadeau. Je lui ai offert, vous savez, les règles des chaussettes. Je vous le dis, pas pour vous dire que j'achète des cadeaux, mais parce que si vous venez demain, sachez que voilà, c'est les règles à chaussettes. Moi, j'en avais une, pas de création Solognotte, mais voilà, qui sont hyper pratiques pour pouvoir enfiler sa chaussette dessus et savoir combien de centimètres il nous reste pour faire la bonne pointure. Voilà. Et du coup, je me suis acheté des petits cadeaux. Je me suis acheté, vous savez, ce genre d'outil, c'est pour mettre ses fils à broder. Je me suis dit que c'était sympa et utile et j'en avais pas. Et je me suis aussi acheté ce petit accessoire. Et c'est un coupe-fil. Vous voyez, il y a la lame ici. Donc voilà. Je trouvais que c'était pratique. Ça, pour prendre l'avion, je pense que ça passe nickel. Ou alors, c'est encore pire parce que ça fait genre vous cachez vraiment quelque chose. Je sais pas. On verra si je le prends pour prendre l'avion ou pas. En général, dans l'avion, en gros, il vous mesure 6 cm. La lame, si c'est moins de 6 cm, ça passe. C'est la règle IATA mondiale. Donc là, c'est clairement pas 6 cm, donc ça va passer. Mais voilà, je ne peux pas vous recommander de prendre un aussi bel objet et de vous le faire confisquer dans l'avion. Ce serait trop triste. Donc voilà, j'avais dit que j'ai acheté que le contre-rang. J'ai eu le contre-rang, j'ai quand même acheté d'autres trucs. Mais j'ai quand même acheté qu'un seul écheveau, c'est rôle. Franchement, je ne l'aurais pas acheté si Elvire ne m'avait pas dit « j'ai trouvé un écheveau parfait pour toi ». Je dis ça, je veux dire non. Du coup, là, on va rentrer. Il fait tellement beau, c'est super agréable. Je vous dis juste des petits points techniques sur la fête de la laine si vous venez demain. Aujourd'hui, en tout cas le samedi, il y avait du monde. Il y avait des endroits où on ne pouvait pas très bien passer. Les gens ne sont pas désagréables, hein, bien au contraire. Mais si vous n'aimez pas trop la foule, etc. Voilà, il y a du monde. Il y a certains stands où on ne voit pas bien parce qu'il y a vraiment du monde à trouper. Donc, il faut prendre son mal en patience, etc. Il fait chaud dans les salles, il fait vraiment très chaud. Là, on est arrivé, on a enlevé nos pulls directs parce qu'il fait extrêmement chaud. Et dans une des salles, il y a énormément de bruit, il y a des gros haut-parleurs. Voilà, juste parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont ce genre de sensibilité. Donc, j'y pense, donc je vous le dis comme ça, voilà. Et du coup, il y a trois salles où il y a des exposants. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée dans les trois salles. Alors, qui sont les salles numéro 1, 3, je crois que c'est tout. J'ai fait salle 1 et 3. Peut-être que j'ai fait la salle 2. Non, je pense que j'ai fait 1 et 3. Donc, j'ai fait celle qui... Mais en fait, ici, il me semble que c'est plutôt deux salles qu'une seule. Et je suis nulle en plan. Hein. Surtout, n'écoutez pas ce que je vous dis. Si vous avez vraiment l'intention de venir, regardez vous-même le plan. Donc, j'ai fait cette salle-là. Et j'ai fait cette salle-là qui est la mairie. Et c'est là où je vous disais l'autre jour qu'il y avait... By Night Creations. J'ai pas pu filmer son stand parce qu'il y avait énormément de monde, mais en même temps ça m'a rassurée parce que je me suis dit ça va, tout le monde est venu la voir, donc en fait pas d'inquiétude. Mais effectivement c'était un peu plus reculé. Et sinon donc tous les autres exposants, ils sont dans deux salles qui sont ici. Et après du coup il y a les autres salles, donc il y en a une qui est très excentrée, voilà, où il y a des expositions, etc. Ça on fera peut-être avec maman à l'occasion.
Alors, sinon, moi, j'ai la corbeille en feutre demain dans la salle 4. La salle 4 que je pense que je n'ai pas encore faite. Donc, ce sera cool d'aller voir. Donc, voilà. Ça, ce sera pour demain. Là, on va rentrer parce que le petit loulou, il est fatigué. Moi, j'ai vraiment besoin de m'hydrater. Heureusement, hier, j'avais acheté 2 iced tea. Donc, j'ai un iced tea qui m'attendait. Voilà, c'est parfait. On va rentrer. Vraiment, à toutes les personnes que j'ai vues, merci infiniment de venir me voir et me parler. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de mettre des visages sur des personnes qui m'écrivent, ou tout simplement, même si vous ne m'écrivez pas en commentaire, je sais qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos et ça me fait plaisir de pouvoir vous imaginer, mais du coup avec vos vrais visages et pas des visages inventés dans ma tête. Donc voilà, si certaines d'entre vous regardent ma vidéo et voient que je ne vous ai pas vue, ben je suis triste de ne pas avoir eu la chance de vous rencontrer. Mais je referai, je vais retourner dans des festivals parce que ça me plaît trop, donc j'espère qu'on aura l'occasion. Surtout écrivez-moi des messages pour qu'on puisse se coordonner la prochaine fois. Mais voilà, c'était trop bien. Je rentre. Je crois que j'ai parlé pendant 15 minutes. Je rentre et puis on va profiter de cette très belle journée. Alors sinon, j'ai vu 3 personnes entre guillemets connues. Enfin, pour moi, ce sont des personnes connues, mais peut-être que vous ne les connaissez pas. Je ne veux pas vous faire vous sentir mal si vous ne connaissez pas, mais j'espère que vous ferez des très bonnes découvertes parce qu'elles étaient trop sympas en vrai. Donc déjà, j'ai vu Audrey V, ça m'a fait trop plaisir. Donc vous savez, il y avait ce fameux tricoté auquel elle m'avait très gentiment invitée. Moi je ne vais pas y aller, mais je sais qu'elle a très bien compris et je suis très reconnaissante avec les personnes comme ça puisque je ne veux jamais décevoir personne. Mais là en gros on va arriver à la maison vers 14h20 et s'il fait encore très beau comme ça, j'aimerais faire une super longue balade avec Cupidon dans le golf. Donc voilà, je ne peux pas tout le temps lui faire juste du shopping etc, il faut aussi que je lui fasse faire des activités de chien. Donc voilà. Donc ça m'a fait trop plaisir, j'ai un petit peu regretté parce que je venais d'arriver quand je l'ai vu et du coup j'ai pas dit viens on fait un petit coucou au vlog etc. Mais donc voilà, ce sera la prochaine fois j'espère. Vous savez qui d'autre j'ai vu? J'ai vu Laurie des Cousettes de Loup, elle est trop belle cette fille, je regarde ses vidéos, elle m'impressionne, elle coud super rapidement etc. Elle tricote et tout, enfin, c'est trop cool. Je la connais un petit peu moins, enfin, on s'écrit pas trop, mais voilà, ça m'a fait trop plaisir de la voir. Désolée, je suis vraiment assoiffée. Et la troisième personne qu'on m'a gentiment présentée, c'est Karine, la Miss Knitter, que je ne connaissais pas, mais que je vais m'empresser d'aller suivre sur YouTube parce qu'elle avait l'air super intéressante et que ça fait longtemps que j'entends parler de la Miss Knitter. Je crois que c'est dans les vidéos de Elodie Unknitting Journey. Moi, en fait, surtout en ce moment, j'ai pas le temps de regarder plein de vidéos. Parce qu'en fait je regarde énormément les miennes. Alors c'est pas du tout parce que je m'intéresse plus que ce que les autres personnes m'intéressent, bien au contraire, mais c'est parce qu'en fait je prends énormément de temps de ma journée à monter les vlogs que je vous poste quotidiennement. Et donc quand je monte les vlogs, je tricote en même temps, mais du coup je peux pas regarder en même temps le vlog ou la vidéo de quelqu'un d'autre. Enfin, je suis sûre que c'est très logique pour vous. Du coup, j'essaye de regarder à peu près une personne par jour, voilà, mais je ne suis pas du tout à jour dans les personnes que je suis habituellement. Et alors, les nouvelles personnes qui arrivent dans dans mes abonnements, dans mon palmarès de personnes que j'adore à regarder, j'ai du mal à me mettre à jour. Mais j'ai vraiment très 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 envie de regarder Karine la Miss Knitter, encore plus parce que je l'ai vue en vrai. Je ne sais pas si c'est normal d'avoir encore plus envie, mais voilà, il me tarde d'avoir l'occasion de la regarder. Là du coup on va rentrer, on va essayer de profiter du beau soleil, j'espère que ça va durer, j'ai pas du tout checké la météo. Apparemment, j'ai entendu ça avant-hier,
il y a un espèce de microclimat au-dessus de Charles de Gaulle qui fait qu'il y a toujours 3 degrés de moins chez nous. C'était un de mes collègues qui racontait ça à nos clients australiens qui étaient venus de Paris pour nous rencontrer et qui disaient qu'il faisait super froid. Donc déjà, eux, ils viennent d'Australie, évidemment, il fait chaud puisque c'est l'automne en ce moment. Mais en plus de ça, ils disaient que de Paris à Charles de Gaulle, il faisait extrêmement froid. Donc ok, super, ça me ravit d'apprendre ça. Mais donc du coup, voilà, donc j'espère qu'il fera beau quand on va rentrer. Et après, une fois qu'on sera rentré de la grande balade que j'aimerais bien faire, j'aimerais bien du coup faire un petit peu de rangement, nettoyage. J'en ai pas fait hier, je n'ai pas été sage. Il faudrait que je regarde, j'ai commencé un tout petit peu ce matin à regarder la vidéo de Flavie où elle va nous présenter ses conquêtes, mais pas du tout, ses achats chez Laine de Mout, dans le pop-up Laine de Mout. Donc voilà, j'ai hâte, je suis pas du tout à ce moment-là, j'en suis au moment où elle dit bonjour, hein, j'ai vraiment pas beaucoup avancé. Mais voilà, il me tarde de faire ça et dans les jours qui suivent, c'est sûr que je vais regarder la Miss Knitter parce que ça me donne trop envie. C'est parti, à peu près 35 minutes de route. Donc voilà, on est rentré de la fête de la laine. En fait, la route est pas très désagréable, ça va. Enfin là, ça roulait bien et puis quand il fait beau, c'est toujours plus agréable. Donc voilà, là on va se changer. J'aimerais mettre genre un petit bas un peu sportif et tout parce qu'on va aller avec la mamie de Cupidon à faire une grande balade. Donc voilà, là j'ai mes chaussettes tricotées, un pull tricoté et tout. J'aimerais mettre des trucs un peu plus chill, un petit legging et des baskets parce que c'est quand même une longue balade. Et en fait, mon goal, ce serait d'arriver à faire un jour cette balade en canicross. Mais c'est pas du tout mon niveau pour l'instant. Peut-être que j'irai faire du canicross demain d'ailleurs. Donc voilà, on va se changer. On est parti pour la montée. Le petit gilet qui avance. Voilà, voilà. Très bon signe. Plein de petites coccinelles. Alors, on est rentré de la balade. Et en fait, il fait encore super beau. Il est 16h30. Donc, je pense que je vais me poser sur mon balcon. Je vais sortir pour la première fois de l'année mon pouf d'extérieur. Il faut aussi que je mange. J'ai toujours pas mangé depuis ce matin. Voilà, on va tricoter, lire un peu. Il y a une lumière! C'est trop agréable. On est extrêmement bien posé. Vous arrivez à voir le coupable de ce bruit? Je sais pas. On est extrêmement bien posé. À l'ombre des palmiers, aux Maldives. Non, je rigole. De retour chez nous avec le livre The Witcher sur lequel j'ai très très peu avancé, mais j'espère avancer un petit peu quand même ce week-end. Et donc là, je faisais les côtes. J'ai un peu freestylé le patron. En gros, je pense qu'il fallait que je m'arrête avant pour les côtes, mais je me suis pas arrêtée parce que j'avais pas les autres aiguilles avec moi pendant la balade, les aiguilles de 3,50. Donc là, je vais faire un dernier rang et après, je vais passer en aiguille de 3,50. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué de mesurer pour faire les trous là pour la bande de boutonnage. Donc ça, c'est fait. Et voilà, là, on va se poser, on va être bien, profiter du soleil et tout. Il fait pas trop froid. On est vraiment trop trop. Alors, aujourd'hui samedi, le samedi il y a plein, je sais pas pourquoi, j'ai pas encore très bien compris comment était l'organisation. Genre, est-ce que tout le monde filme le vendredi, mais genre vous taffez pas le vendredi, je sais pas. Il y a plein de vidéos qui sortent en général le samedi. Donc là il y a Bulbe Bizarre. Enfin, je vous dis celle que je viens de regarder sur YouTube en vite fait. Hein. Je vais sûrement en rater. Miss Magno Naturel. Accrochez vos aiguilles, un membre du groupe de tricot du 95, si vous ne connaissez pas. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ce petit chandail et ma copine Mélophile, enfin non pas que les autres ne sont pas mes copines, mais voilà, Mélophile a également sorti une vidéo aujourd'hui. Je crois que j'oublie personne, j'espère pas.
Donc c'est super, franchement c'est top d'avoir plein de trucs. Ça tombe bien parce qu'en fait les contenus sont pas éphémères, donc on peut tout à fait en regarder un le samedi, un le dimanche, un le lundi, etc. Puisque les autres jours il y a un peu moins de vidéos. Là je vais continuer à ranger un petit peu. J'ai toute la partie du blocage que j'aimerais ranger, plus j'aimerais bien ranger mes marqueurs, parce que je me suis aperçue en cherchant des marqueurs que j'ai des marqueurs de Noël qui traînent un peu, etc. Malheureusement, ce n'est plus la période de Noël, donc il faudrait que je les range pour que ça me fasse encore plus plaisir de les retrouver l'année prochaine et que ça fasse un peu d'espace dans mon lieu de marqueurs. Et d'ailleurs, j'en profite parce que là, c'est vraiment la saison. Moi, c'est un truc que j'utilise toute l'année, mais voilà. J'ai un espèce de truc de pack où on doit mettre des œufs, mais du coup, je classe mes marqueurs là-dedans entre les marqueurs qui s'ouvrent, les marqueurs qui ne s'ouvrent pas. Je vais mettre mon nouveau contrat. Voilà, je vais faire une petite organisation et puis je vais ranger les marqueurs dont j'ai pas forcément envie d'utiliser tout de suite, quoi. Les marqueurs de Noël, les marqueurs, peut-être que j'en ai qui sont un peu Halloween aussi. Donc voilà, je vais voir. Des marqueurs, j'en ai beaucoup. Mais j'ai toujours besoin de plus de marqueurs. Déjà parce que j'ai des projets qui se multiplient. Donc forcément, chaque projet a besoin de son marqueur. Ensuite, parce que je prête... En fait, j'apprends à pas mal de personnes à tricoter. Enfin, pas mal de personnes. J'ai montré à pas mal de personnes comment tricoter et il y en a quelques-unes qui ont continué. Mais en fait, moi, ça me plaît pas que les personnes achètent des trucs avant d'être sûres de bien aimer l'activité que je leur montre, quoi. Donc, typiquement, par exemple, Chloé, elle a acheté des aiguilles, mais pendant longtemps, elle utilisait les miennes et ça me faisait très plaisir de lui prêter. Et même maintenant, parfois, je lui prête et après, j'ai besoin de lui récupérer. Mais voilà, on s'arrange comme ça. En plus, techniquement, c'est ma voisine, donc voilà. Ma collègue Diane, qui maintenant, elle tricote pas mal. Voilà, pareil, je lui ai prêté plein de marqueurs que j'avais eu dans la box Lily comme tout de Noël, que vous avez peut-être vu que j'ouvrais pendant les vlogs maths. Donc, du coup, c'est des marqueurs que je vais récupérer. Je lui prête, je lui offre pas. Bien que je devrais lui offrir, mais voilà. J'ai envie de les garder, mais je lui en offrirai peut-être d'autres. Mais du coup, j'ai toujours besoin de plus de marqueurs. Et puis, comme je pense pas mal de tricoteuses, j'aime bien avoir des marqueurs en fonction des moods, etc. Donc là, je vais un petit peu faire du rangement, du classement dans mes marqueurs, ce sera cool. Et il y a un autre truc que j'aimerais faire, parce que clairement ce mois-ci, je pense que je ne vais pas re-regarder Game of Thrones. Petite confession, enfin c'est pas du tout une confession, mais voilà. Je crois que depuis le début des Vlogmas, mis à part si je vous ai dit que j'avais regardé quelque chose au tout début des Vlogmas, mais sinon... Je n'ai pas allumé ma télé, je n'ai rien regardé depuis le début. Parce que entre tous les événements, les nœuds qu'on a eus, donc du coup le week-end je suis en totale vadrouille, tous les jours de télétravail qui ont sauté entre guillemets, où j'ai dû aller au boulot quand même, les vidéos que j'avais envie de regarder sur YouTube et le fait que j'essaye de lire un livre, on dirait j'apprends à lire, j'essaie de lire un livre, et bien j'ai pas regardé la télé une seule fois. Et je pense que quand les vlogs mars seront finis, je vais regarder d'autres séries avant de me remettre à Game of Thrones. Donc techniquement je pourrais ranger tout le dessus de ma cheminée, qui, si vous n'avez pas regardé ma vidéo qui s'appelle Détricotons ensemble House of the Dragon, et en fait full thème Game of Thrones. Donc je pourrais ranger ça, pour l'instant mettre d'autres objets, typiquement la sculpture de Cupidon de Christelle, qui pour l'instant est sur mon buffet mais serait beaucoup plus mise en valeur, voilà.
On a plein de choses. Et donc, du coup, voilà, je pourrais faire ça pendant mes 30 minutes à peu près. Peut-être que je vais faire une heure parce que hier, j'ai pas du tout, même. J'ai fait un tout petit peu le matin. Et du coup, ça va me faire du bien de faire du classement de marqueurs et tout. J'ai pas mal de marqueurs qui se ferment pas bien. Vous savez que ça me plaît pas de dire du mal des petits artisans, mais là, pour le coup, je suis obligée de vous le dire parce que peut-être que quand je ferai mon classement, j'arriverai à vous le montrer un petit peu mieux. Mais je sais pas si c'est moi qui les utilise mal, mais pourtant, c'est tous de la même marque. Hein. Donc, je suis sincèrement désolée. Et en plus, c'est dommage parce qu'ils sont vraiment très beaux. En gros, vous voyez, il y a un jour. Genre, et là, j'ouvre pas le truc. Genre, c'est loose. Voilà. Et du coup, il y a comme un petit espace. Et ça me fait ça. Alors, sur celui-là, ça va. Donc, c'est pas tous. Donc, je sais pas si c'est peut-être moi. Celui-là, pareil. Vous voyez ? Là, je le maintiens pas ouvert. Et, oh là là. Bon, mais je vous le dis parce que je préfère vous le dire quand même. C'est les marqueurs L'Atelier de Calixen qui sont dans les box Arco Iris. Je sais pas pourquoi. Ces deux-là, bah, je trouve qu'ils se ferment pas bien. Du coup, je les utilise pas parce qu'ils sont tellement beaux. Ils sont extrêmement beaux, ces marqueurs. Donc, j'aurais peur de les perdre. Mais du coup, ouais, donc j'en ai deux qui se ferment pas très bien. Là, quand je vais faire mon rangement, je vais peut-être en trouver d'autres. Mais effectivement, c'est pas le cas pour tous. Parce que celui-là, qui est absolument magnifique, je sais pas si vous allez voir, il y a des petites feuilles d'érable. Un truc que vous ne devez pas savoir sur moi, sauf si je vous l'ai déjà dit. Quand je suis née, mon grand-père, il a planté un arbre. Genre, c'est mon arbre, voilà. Et c'est un érable. Donc, en plus, je l'adore encore plus. Mais du coup, celui-là, je suis ravie parce qu'il se ferme bien. Donc, je m'inquiète moins. Mais voilà, je ne sais pas. Et celui que je trouve, je ne sais pas, je crois qu'il doit être sur un projet. Mais j'en ai un autre qui se ferme bien aussi. Donc, en gros, mais normalement, je devrais en avoir 7 en tout. Donc, je sais pas trop. Non, je devrais en avoir 6. Donc, je sais pas trop. En gros, là dans ma tête, j'en ai 4. Et j'en ai 2 sur 4 qui fonctionnent bien et 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas pour moi. Et donc, il m'en reste encore 2 que je sais pas trop où ils sont. Et je sais plus s'ils me conviennent ou pas. Mais voilà, peut-être que c'est. Si vous savez qu'il y a un truc à ne pas faire avec ces marqueurs pour pas que genre le... Je sais pas si c'est le ressort qui est pas assez fort ou quoi. Pour pas que ça fasse ça, dites-le moi parce que j'en ai plusieurs de ces marqueurs-là auxquels je tiens pas mal. Donc, j'aimerais bien ne pas continuer à faire la même erreur. Je sais pas si ça vient de moi. Donc, voilà. Mais en tout cas, ces marqueurs sont absolument splendides. Et du coup, je vais essayer de trouver autre chose à faire. Honnêtement, je pourrais enlever la breloque et la mettre sur un autre... Mais il y a des choses que j'aime faire dans les arts créatifs. Et ça, ça m'a pas l'air fun. Alors que je sais qu'il y en a plein qui font des trop beaux marqueurs et que ça leur plaît. Et des bijoux et tout. Mais alors, travailler avec une pince et tout, en mode hyper minutieux, avec un mini anneau, alors que j'ai des ongles, etc. Ça m'a pas l'air marrant. Donc, pour l'instant, je les garde de côté. S'il y a une solution que vous connaissez, bah dites-le moi. Mais voilà, si... Avec la gravité, genre, on voit que là, il est... J'ai un peu du mal à vous montrer, mais j'espère que vous avez vu. Je vais vous montrer dans l'autre sens. Donc là, en gros, je le tiens vraiment pas ouvert. Genre, il peut tomber à n'importe quel moment. Hein, c'est, voilà. Et quand je l'enfile sur mon petit doigt, ça fait... Oh là là. Ça fait un jour. Je pense que vous... Ça zoome pas très bien. Je pense que vous arrivez comme... Ouais, là, vous voyez. Vous voyez ? Et du coup, ça fonctionne pas super bien. Bah, sur les câbles, ça tombe. Sur les mailles, etc., ça tombe. C'est parti pour mon rangement. Je me remets la vidéo de By Nakiali. Bon, alors, je suis en train de regarder la vidéo de By Nakiali. Et en fait, elle est en train de dire qu'elle a pris des calendriers de l'avant week-end. Une idée m'est venue. Est-ce que potentiellement, on peut prendre... Enfin,
est-ce qu'il y a assez de calendriers week-end qui existent pour prendre je sais pas combien de calendriers week-end? Donc en général, dans un calendrier de week-end, il y a 5 paquets. Donc si on fait 5, si on fait 25 divisé par 5, c'est-à-dire que si on a 5 calendriers de l'Avent de week-end, on peut faire tout l'Avent avec potentiellement des foules et chevaux ou des 50 grammes. Est-ce une idée pour l'année prochaine? Je ne sais pas. Est-ce une idée complètement stupide? Peut-être. Allez, je continue mon rangement. Là, j'ai rangé tous mes marqueurs. Du coup, les marqueurs Game of Thrones, je les ai mis de côté. Ceux qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent un petit peu moins bien. Et je vais ranger également le reste de mes affaires Game of Thrones dans mon énorme boîte que Game of Thrones partage avec Stranger Things. Voilà. Et je vais aller de l'autre côté ranger tous mes trucs. Ouh. Ok, ok. C'est très lourd ce machin en fait. Très mauvaise idée de faire la vidéo en même temps. Ok, donc c'est bon. Et sinon, j'ai rangé mes marqueurs que je veux utiliser. Ici, j'ai rangé les marqueurs anneaux qui ne s'ouvrent pas. Ici, j'ai rangé les marqueurs qui s'ouvrent. Coucou Christelle. Ici, j'ai rangé pour l'instant mon compte-rendu, mais je vais rajouter l'autre prochainement. Ici, j'ai rajouté les random trucs. Ce truc que j'avais reçu, que j'ai jamais utilisé. Oups. Le flox que Camille du Chakitricat m'a offert, que j'utilise. Par contre, d'ailleurs, vous voyez, il est un petit peu taché. Mais c'est parce que vraiment, j'utilise. Ça, c'est pour enfiler les aiguilles. Là, j'ai plutôt les mousquetons. Ça, par exemple, c'est pour accrocher tous ces marqueurs. Il y a une petite règle de l'autre côté. Voilà, là, j'ai tous mes mousquetons. J'ai le mousqueton offert par Arcoeris. Donc, et après, j'ai les gros marqueurs que j'ai mis ici. Donc, est-ce que je vais y arriver d'une main? Mes plus beaux gros marqueurs qui viennent de Sandra. Vous voyez, l'anneau est très gros. Après, j'en ai que j'avais acheté en Thaïlande. Et après, j'en ai que j'avais acheté au chat qui tricote, qui sont ceux de la boîte, les jumbo de Coconut. Voilà, voilà pour ma petite collection. Et du coup, après, j'ai rangé par saison. Je vous montre ça. Alors, tac, 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 tac. Donc, prochaine boîte. Donc là, j'ai les marqueurs Barbie. J'avais une petite fraise qui est tombée. Marqueur Barbie offert par Sookbook. Parce que pour moi, Barbie, c'est vraiment le truc de l'été. Même si j'ai trop envie. Je pense que... Voilà, j'ai laissé la boîte ouverte, pour tout vous dire. Parce qu'il n'est pas impossible que je vienne piocher dedans avant l'été. Ensuite, un peu plus au fond, j'ai dans cette magnifique boîte dont je vous parlais tout à l'heure, d'Ars Mirabilia, la boîte Baratheon. J'ai les marqueurs d'automne avec les marqueurs Harry Potter notamment. Regardez comme ça va trop bien. Les marqueurs offerts par Sandra, etc. Donc ça, c'est les marqueurs d'automne. Et après, encore plus au fond, j'ai les marqueurs d'hiver. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas focus. Mais j'ai marqueurs d'hiver, notamment le mousqueton offert par Béatrice. Voilà. Là, j'ai les marqueurs ampoules qui ne craignent rien. Parce que je ne sais pas si je dois bloquer un projet et qu'il faut que je laisse un marqueur, des trucs comme ça. Ça ne m'embête pas de le faire avec ces marqueurs-là. Ça m'embêterait beaucoup plus avec tous mes autres marqueurs auxquels je tiens beaucoup trop. Je propose qu'on tricote ensemble. Là, je n'ai pas très envie de faire mon pull de température tout de suite parce que j'aimerais bien l'essayer. Et je me suis pas encore mise en pyjama, etc. Donc j'ai pas envie de me changer. Enfin, c'est une organisation d'essayer son tricot quand il est en cours. Et donc je pense que je vais l'essayer en fait après, mais que j'ai d'abord envie de parler avec vous. Donc je suis sur le gilet de ma grand-mère, voilà, qui avance petit à petit. Il ne fait pas des progrès fulgurants, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, l'important c'est qu'il avance. Alors, le premier commentaire que nous avons, c'est Tricotine by Sandrine.
Coucou Ellie, je crois que l'année dernière, Laine et Chaudron a fait un calendrier d'Halloween. Ça pourrait vachement m'intéresser. Parce que leur thème est vachement mystérieux slash magique. Donc, ce serait trop cool. Merci beaucoup pour l'info. Bis à demain, je te fais plein de bisous, Sandrine. À chaque fois, tu es là avec des commentaires super informatifs. Donc, merci beaucoup. Louad, coucou Éléonore. Complètement séchée par le Covid, quel petit bonheur de t'écouter. Je n'ai même pas la force de tricoter. Mais au moins, je passe un moment hyper agréable avec toi. Oh, bah j'espère que tu vas vite te rétablir, que tu as pu un peu profiter de ton samedi quand même, ma pauvre. Pour la tricopine qui cherchait un doigtier de jacquard, j'en ai vu sur Amazon. Ok, merci beaucoup. Je rigole de la manière dont t'as écrit Amazon. Plein de bisous à toi et de caresses à ta boule d'amour. Eh ben, je te fais plein de bisous aussi et un bon rétablissement. Chloé Bachet, coucou, j'adore tes deux paires de chaussettes, mais les Starry Night, je les trouve sublimes, trop bon choix de couleur. Merci beaucoup. J'ai reçu ton livre, je suis trop contente, encore merci. Par contre, peux-tu me redonner le modèle le plus facile, s'il te plaît, car je n'ai pas fait attention. Je me suis jetée sur la carte sans voir le patron. Donc, j'étais écrit tout à l'heure, mais le patron, c'était les Lazy Daisy. S'il y en a qui cherchent le patron le plus facile de 52 Weeks of Socks, c'est celui-là. Et par contre, pour info, c'est un talon après coup, il faut couper. Voilà, je te fais des gros bisous. L'hirondelle bleue. Oh, un livre de patron Gilmore Girls. Voilà ce qu'il me fallait pour commencer à tricoter en anglais. Bah ouais, c'est le bon plan si t'as envie de te lancer. Et sinon, je pense qu'avec un peu de patience, il sortira éventuellement traduit, j'espère. J'ai commencé le tricot en août avec uniquement des chaussettes, principalement de Charlotte Stone. Les Christmas pudding, les chauves-souris, les télécabines, les cœurs, les piments, les promenades du chien. Et là, j'ai commencé les œufs de Pâques. Trop bien! Mais c'est hyper ambitieux de commencer par ce genre de projet. J'adore, chapeau! Je pensais me lancer dans mon premier pull avec vous pour ton cal olympique. Trop bien! Peut-être le Pac-Man de Lucienne Tricotte. J'adore le noir et les couleurs peps en contrastant. Je l'ai vu sur le stand de une renarde... Non, la fille au renard, ouais. Il était trop beau, donc ouais, trop bien. Merci pour tout ce que tu nous proposes, toutes les informations, le cadre si bienveillant et la mignonitude de Cupidon, signé Nathalie. Je t'embrasse très fort, Nathalie. Et oui, rejoins-nous pour le cal, ça me ferait tellement plaisir. Hélène D, coucou Éléonore, j'ai découvert ta chaîne il y a peu de temps et je n'ai encore jamais commenté. J'adore suivre tes aventures, tu es tellement joviale, je me réjouis d'avance de savoir qu'une vidéo m'attend. C'est beaucoup trop gentil. Quand je regarde tes vidéos, mes enfants te reconnaissent grâce à Cupidon. Et d'ailleurs, ils ont quelque chose à te dire. Cupidon est trop mignon, c'est une boule de poils. Alors, je vous montre les enfants d'Hélène. Il est là, à sa place habituelle. Je te fais plein de gros bisous, Hélène, et profite bien de tes enfants. Pas ce qui se passe, hein. Il y a des gros bruits. Alors, Morty, je pense Morticha, mais peut-être que c'est un pseudo. Coucou, j'ai découvert tes vidéos récemment et depuis j'adore venir te voir. Merci d'être là, tu es mon petit bonheur quotidien. Surtout ne change rien, plein de bisous. Je te fais d'énormes bisous, merci beaucoup. Si tu ne t'appelles pas Morticha, désolée, mais en tout cas je t'embrasse fort. Soukbouk. Coucou Éléonore, je suis super contente de te voir utiliser la petite paire de ciseaux, ça me fait très plaisir. C'est quand même hyper satisfaisant de voir le résultat de tes écheveaux aux pelotes. J'adore. Hâte d'en être à la période où tu commenceras à tricoter tous ces sublimes patrons de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je ne sais plus si c'est dans cette vidéo ou l'autre que tu nous montres ça, mais en tout cas c'est génial. Ben merci beaucoup. Le bol à laine est trop beau et fait par tes soins, je suis ultra fan. Je repose ma question, mais y a-t-il quelque chose que tu ne saches pas faire? Ouais, plein. Ce bol me rappelle une photo que j'ai retrouvée tout récemment de mon voyage en Finlande. J'avais pris un échantillon présenté dans un petit espace où ils vendaient de la laine dans l'aéroport d'Helsinki. Juste à côté, trônait plein de bols à laine en bois. Je me souviens m'être demandé à ce moment-là ce que c'était, car ultra débutante en mai 2023. Punaise, mais si j'avais su, j'en aurais pris un. C'est pas non plus le truc indispensable. Par contre, si pour X raison vous avez besoin d'un bol à laine et que vous n'en avez pas,
Vous pouvez prendre n'importe quel bol et y ajouter, vous savez, les pinces à dossier là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vais vous montrer une photo parce que je ne dois pas en avoir chez moi. Je dois en avoir au bureau. Si vous ne comprenez pas, écrivez-moi et, là, et à partir de mercredi, je peux vous montrer. Ouais. Alors, typiquement, ça. Sur n'importe quel bol. Je sais vraiment pas pourquoi ça coûte aussi cher, par contre. Hein. C'est pas cher, hein. Vous le volez à votre bureau, vous en fichez. Je vous en prenais juste une. Et ensuite, donc, vous clipez sur le bord. Et à travers, vous faites passer votre fil. Ça vous fait un bol à laine gratos. Gratos si vous avez déjà un bol et cette pince. Mais je pense que vous pouvez trouver tout ça assez facilement. Donc voilà, c'est trop cool d'en avoir un qui soit méga beau et je vous dirai jamais de pas acheter des trucs parce que moi-même j'en achète. Mais si vous êtes ou si vous trouvez quelque part que vous avez besoin d'un bol à laine que vous en avez pas, je pense que vous pouvez avoir les munitions assez facilement. Bref, je vous souhaite à tous une belle soirée, un bon week-end, tricot et chill en perspective. Bis à ta maman, à Cupidon et à toi. Merci infiniment, Sookbook. Et merci aussi de m'informer qu'ils vendent de la laine à l'aéroport d'Helsinki. Ça me donne juste encore plus envie d'y aller. Je te fais plein de bisous. Microbe tricote. Coucou Elé, je reviens car pour la personne qui cherchait pour le doigtier jacquard, la marque Colvert le fait. Il appelle ça un guide fil. Ça coûte moins de 3 euros. Des bisous, signé Laura. Merci beaucoup Laura. Donc, c'est la marque Colvert, C-O-L-V-E-R-S, si vous avez besoin. Voilà, merci beaucoup, plein de bisous. Sookbook, une caresse au petit Cupidon. Il est tellement mignon quand il retrouve sa maman. Adorable, comment ne pas fondre devant cette petite bouille un brin expiègle. Et j'adore la musique avec tes clients, ça va leur faire à coup sûr une anecdote à raconter ça. Merci, oui, c'est assez drôle. Merci beaucoup pour Cupidon et encore une fois, je t'embrasse fort. Mariola Barthélémy, coucou, moi qui disais pas de chaussettes, je suis accro maintenant grâce à toi, bisous. Ah bah, si c'est grâce à moi, alors tant mieux. Si c'était à cause de moi, j'aurais pas été très contente. En tout cas, je te fais plein plein de bisous ainsi qu'à Sweetie. Ma femme de ménage, elle a pas compris, je pense. Du coup, elle me le range toujours à l'envers, ce truc. Île de montagne, coucou Éléonore, tes chaussettes de Starry Night sont trop belles et Cupidon adorable comme d'habitude. Bisous, signé Ena. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas du tout tricoté sur les chaussettes Starry Night, mais je les reprendrai bientôt. Franchement, c'était des chaussettes d'hiver et aujourd'hui, on était vraiment une journée de printemps, c'était top. Sophie Sofcroche, hello, des petites nouvelles de mon collègue de son oreille. Il s'est fait recoudre du coup, mais c'était vraiment pas beau à voir. En plus, j'ai dû faire une photo pour le médecin au téléphone. J'attends qu'il revienne lundi pour voir s'il la veut avant de l'effacer. Il est passé aujourd'hui et il a le moral, donc tout va bien. Bon bah tant mieux, c'est dingue qu'on doive prendre des photos maintenant pour les médecins. Et qu'on doit, tu m'as dit que vous avez dû aller par vos propres moyens aux urgences. Bon, je sais pas, ça me paraît fou, mais ça doit être comme ça, je sais pas. Trop bien le livre pour Gilmore Girls. J'adore cette série, mais un peu moins fan des tout derniers épisodes qui se passent quelques années plus tard. Ah bah oui, c'est ce qu'on disait, hier exactement. J'ai failli perdre ma maille. Ok, c'est bon. Je n'ai encore jamais tricoté de chaussettes, mais j'ai bien envie de commencer avec celle avec les chats. Désolée, je ne sais plus le nom. Je ne sais pas comment elle s'appelle en français. Mais si tu as besoin du nom en anglais, c'est les Herding Cats Socks. Herding, ça s'écrit H-E-R-D-I-N-G. Voilà. En plus, elles me rappelleront mon chat noir que j'ai perdu il y a 2 ans. Il avait 18 ans. Mon bébé d'amour qui gambade dans les nuages avec ses petites ailes toutes blanches comme j'aime à l'imaginer. Oh, c'est très beau. Bah oui, je suis désolée pour la perte de ton chat. Je te fais de gros gros bisous à toi et Cupichou. Merci pour toute la joie que tu nous apportes. Eh bien, merci beaucoup et merci de me donner des nouvelles de ton collègue parce qu'on s'inquiète tous pour lui, le pauvre. Est-ce qu'il peut, du coup, est-ce qu'il pourra entendre normalement? Je sais pas. Enfin, voilà. Tiens-nous au courant. Je te fais plein de bisous. Calamity Nits.
Ah, trop bien pour le patron du Bella noté que tu as reçu. J'ai de la laine rose en plus pour le faire et j'hésitais entre ce modèle et le Gaja d'Amani Tanit. Mais si tu fais le Bella noté, ça va me motiver à le faire aussi. Alors, je vais bien évidemment le faire. Mais le prochain projet que je vais caston, à part si je me rappelle que je dois faire un truc entre-temps pour une raison X, ce sera le Agnit Cardigan de Petite Knit. Parce que j'ai reçu le patron aujourd'hui en cadeau. Et vraiment, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une coïncidence incroyable que je vous disais quand j'étais à la fête de la laine? Oui, ce patron, j'ai acheté à la fabrique Poveda. Enfin, j'ai acheté la laine à la fabrique Poveda. Voilà, donc je suis trop contente. Je vais pouvoir le castonner. Il faut que j'achète le patron. Enfin, je sais plus si je vous dis, il faut que j'achète le patron. Mais bref, c'était un patron qui était dans ma wishlist. Et Catherine me l'a gentiment offert. Merci beaucoup. Du coup, je vous montre juste le prochain gilet que je vais castonner, c'est ce que j'essayais de faire. Alors, comment on fait? Je pense que vous le connaissez puisque c'est un modèle de petite knit et que tout le monde connaît ces modèles. Okay, Agnit Cardigan, c'est ça. Le Bella Noté, c'est ça. Mais je pense que je vais commencer par lui parce que c'est plus printemps. Et pour sûr, après, je ferai lui parce que c'est plus été. Merci beaucoup de me les avoir offerts. Ça me touche énormément. Vraiment, vraiment, merci Adeline et merci Catherine. Et du coup, voilà mon ordre. Mais donc, ne m'attends surtout pas, Estelle, si tu veux commencer. Mais sache que je le ferai aussi. Voilà, je le ferai cet été pour sûr, pour sûr. Je te fais d'énormes bisous et je te remercie parce que j'ai vu que tu as sorti une nouvelle vidéo avec des tops de printemps. J'ai pas encore bien, j'ai regardé que l'introduction donc j'ai vu aucun top de printemps pour l'instant, mais je sais déjà qu'elle va être bien, qu'elle va me donner plein d'idées. Bisous bisous. Alors, Soukbouk, coucou petit Cupidon et Léonore bien sûr, mais débuter le vlog avec sa petite bouille, tu comprendras que c'est désormais lui la vedette. Merci pour ta réponse. Je suis très embêtée pour ta maman car ça doit être frustrant. Il ne faut pas qu'elle se décourage et elle a bien raison d'avancer les manches en attendant. Plein de force à elle. Oui, non, mais elle se découvre. Enfin, il ne faut pas être embêtée pour elle, ne vous inquiétez pas. Elle va s'en sortir avec son pull. Ah, mais c'est trop bien pour le livre de tricot Gilmore Girls. Il va y avoir plein de jolies couleurs automnales dedans. Un tout grand merci à toi pour tes encouragements. Je suis vraiment très déterminée. Mais j'ai encore un peu peur d'essayer le tricot circulaire, de faire des chaussettes, etc. Le tricot circulaire, c'est plus facile que le tricot à plat. Hein. Pour info, donc n'aie pas peur. Tout l'aspect technique et un peu créatif aussi me manque en fait. Merci de croire en moi en tout cas. Je vais déjà participer à ton cal. Ça va être un sacré challenge, je pense. Un pull de Noël en jacquard. J'ai trop hâte. Allez Zou, je vous souhaite à tous un très bon week-end par ici, c'est boulot quasi non-stop, bis à Cupidon, PS, je valide tout l'ensemble Barbie, c'est trop drôle. Merci beaucoup Stéphanie, il me tarde que tu commences ton pull de Noël en jacquard, ça va être beaucoup trop bien. Vraiment, je t'encourage à fond pour faire des projets qui t'intéressent. Maryse Marin, coucou Éléonore, encore un super moment passé en ta compagnie et celle des tricopines par la même occasion. Je t'écoute pendant que je repeins des portes chez ma fille. Dommage que ma fille ne tricote pas. J'envie ta complicité avec ta maman. Ça viendra peut-être. J'ai bien l'intention d'aller à la fête de la laine à la bergerie le samedi et j'espère t'y rencontrer moi aussi. Il faudra que tu viennes me faire un coucou. Au sujet des perruches, j'habite près du Mont Valérien. Il y en a énormément. J'ai entendu la même histoire que toi quant à leur présence. Par contre, c'est une espèce invasive. Et en quelques années, elles ont fait disparaître d'autres espèces d'oiseaux. Ah, mais c'est dingue. Mais comment ça? Elles mangent des oiseaux? La face cachée des perruches. Je suis de la team Bobby. Bon tricot, les copines, et à demain. Bah, je crois que la team Bobby a dépassé la team Ken, hein. Il faut vraiment que je me décide. Ça va être dur. Je fais en tout cas des gros bisous et j'espère que toi aussi tu as bien tricoté en ce samedi. Tartine, bonsoir Éléonore. Merci pour tes vidéos et tes conseils. La prochaine fois que je bobine un écheveau, je penserai à toi et étirer ma laine.
Eh ben si ça t'aide, tant mieux. Je t'écoute en tricotant le pull colonnade de Cornelia Vore et les laines Delphine. Waouh, trop bien. Ça doit être magnifique. Un jour peut-être je te croiserai au chat qui tricote. Bisous des peines Mirabeau, signé Martine. Eh ben j'espère que qu'on aura l'occasion de se croiser. Es-tu allée au pop-up comment il s'appelait le pop-up qu'il y avait aujourd'hui? C'est les laines en gradient, là, ça m'est sorti de la tête, mais je vous l'ai dit hier. La fée-file, voilà. Est-ce que tu y es allée aujourd'hui? Tu nous diras si t'es allée. On te fait des gros bisous, Martine. Maya, Maya, coucou Éléonore, trop choupinou, kiki, plein de bisous, hâte d'être à samedi. Très bon week-end à toi, Cupidon et toutes les tricopines, bye bye. Un énorme bisou, Maya. J'espère que tu as passé un excellent samedi. Je pense que tu sais que moi, oui. Donc, j'espère que toi aussi. Alors, Audrey V, coucou Éléonore. Tu m'as accompagnée pendant mon petit moment de détente avant la journée qui m'attend. Malakoff est tricotée. Merci de publier tes vidéos tôt le matin. C'est génial pour les petites dormeuses comme moi. Mais les petites dormeuses, j'ai une question parce que je vois que vous dites que vous dormez pas beaucoup. Je vois par exemple Christelle d'Emaille et moi. Elle dit qu'elle dort genre 5 heures par nuit ou 6 heures par nuit, non, cette personne. Mais c'est donc ok, c'est souvent des personnes qui ont des enfants qui font ça. Donc je me dis ok, genre l'enfant il se réveille tôt. Enfin, je sais pas, moi quand j'étais enfant, je me réveillais déjà tard, mais ok, mais genre le samedi à 7 heures. Vous êtes... Parce que j'ai posté ma vidéo à 7h. À 7h, vous réveillez le samedi? Mais pourquoi? Parce que genre moi, je suis quelqu'un, j'ai vraiment besoin de 8 heures de sommeil minimum. Genre 8 heures de sommeil, je me réveille, je suis... Oh, plus 9, 10. Donc je comprends pas. Mais tant mieux, hein, tant mieux pour vous. Je sais que je sais pas trop si c'est le cas pour toi, mais je sais que Christelle, elle tricote du coup énormément parce qu'elle est réveillée avant tout le monde en fait, parce que j'allais dire avant toute sa famille, mais avant tout le reste de l'Alsace, elle est réveillée. Comment? Ah, comment vous êtes pas fatiguée? Vous m'impressionnez. Passe un bon week-end et bon cours de tricot demain, je t'embrasse. Eh bien écoute, ça m'a fait tellement plaisir de te voir aujourd'hui. J'espère que le tricoté c'était super bien, j'ai hâte que tu fasses un petit débrief, j'espère en vidéo. Et je t'embrasse très fort. Alors, Pepsi, coucou Éléonore, super comme d'habitude. J'avais une petite question concernant le cal olympique. Peut-on y participer si on fait un pull au crochet étant donné que je commence à peine le tricot circulaire? Oui, c'est quelque chose que j'ai oublié de re-mentionner. C'est pour ça que quand j'aurai mis par écrit, ce sera peut-être un peu plus clair parce qu'à chaque fois, je vous en parle un peu rapidement. Tous les médias créatifs sont les absolus bienvenus. Le crochet, le tissage, la couture, le patchwork, enfin, je sais pas... Le papier mâché, voilà. Si vous voulez faire quelque chose qui vous challenge et que c'est un pull, vous êtes les bienvenus, c'est trop top. Et le crochet, bien sûr, le crochet, mais c'est le frère du tricot. Enfin, pour moi, c'est limite pareil. Donc, bien sûr que tu es la bienvenue avec ton pull en crochet, ce serait top. Bise à Cupidon et à ta maman qui a l'air aussi douce que toi. Oh ben c'est trop gentil. Oui, elle est géniale ma maman. Je signe de mon prénom car évidemment je ne m'appelle pas Pepsi, mais ne sais pas comment changer mon pseudo. Entre parenthèses, mamie belge de 65 ans. Écoute, il n'y a pas d'âge pour être un peu larguée en informatique. Car je n'ai pas 65 ans et moi-même je suis un peu larguée. Qui a commencé le tricot circulaire ainsi que ma première paire de chaussettes grâce à toi. Mais non, c'est trop bien, hein, bravo. Je suis trop contente, ça me fait vraiment trop plaisir. Signé du coup Chantal. Eh bien merci Chantal, je saurais comment t'appeler parce que c'est vrai que t'appelais Pepsi, je me doutais que c'était quand même pas ton nom. Donc merci beaucoup, je t'embrasse très fort.
Nono, coucou Hélé. À l'atelier Coco Bohème, c'est effectivement le pop-up de Hélène Hélène. Ouais, du coup, je l'ai écrit sur l'écran parce que ça ne m'était pas revenu sur le moment. J'ai dû aller vérifier. C'est fou, tu suis vraiment toute l'actu des salons et pop-up, tu m'impressionnes. Bah, je ne sais pas si je suis vraiment toute l'actu. L'autre jour, vous savez, au bout d'un moment, les réseaux sociaux et tout, ils apprennent vos habitudes, ils savent ce que vous regardez. Ils vous proposent des trucs qui vont vous intéresser. J'ai eu une pub pour un salon en Afrique du Sud. Il avait l'air vraiment bien en plus. Mais du coup, voilà, je ne l'ai pas repartagé. Je me suis dit que ça risquait d'en intéresser absolument personne. Donc voilà. Mais en fait, j'essaye à peu près de me tenir informée, de chercher sur Internet, etc. Mais aussi, c'est vraiment grâce à vous. C'est vous qui m'envoyez des messages. Quand il y a des nouveaux événements qui sortent, vous me les envoyez. Donc ça, c'est super pratique. Là, il est peut-être encore un petit peu tôt dans le mois. Mais à partir du 20, je vais commencer à préparer la publication pour le mois d'avril où je vous liste tous les salons et les événements autour de la laine. Je vous mets principalement ce qui se passe en France, en Belgique, Suisse, enfin les pays limitrophes. Mais vous remarquerez peut-être, petit aparté, désolé Noémie, que j'ai mis, parce que je fais la publication mars, avril, mai, mais du coup mars, on va dire, c'est la à peu près définitive, avril et mai, c'était un peu des ébauches. Et là, quand je vais faire avril, je vais essayer de vraiment faire bien, et je vais faire mai, ébauche, et juin, ébauche lointaine, on va dire. Que sur le mois de mai, j'ai mis deux événements à l'étranger outre-Atlantique. J'ai mis Knit City Toronto et Knitopia Philadelphie. Et la raison pour laquelle j'ai mis ces deux événements, alors que peut-être que ça ne vous intéresse pas du tout, c'est parce que moi, ça m'intéresse. En fait, j'aimerais trop y aller. Alors, vraiment, énormément y aller. Ça a l'air trop cool, ces deux événements. Si vous voulez plus d'infos, je les connais vraiment bien. J'ai regardé 10 000 fois, donc écrivez-moi. Mais je ne sais pas si ça va vous intéresser, puisque c'est vraiment loin du coup. Knit City, c'est un salon. Knitopia, c'est une retraite, un peu comme une retraite spirituelle, mais une retraite de tricot. Et toutes les conditions sont réunies pour que j'y aille, mis à part une seule. C'est qu'en fait, chaque année, notre patron nous invite pour un week-end en Tunisie pour nous remercier de notre bon travail avec mon service. Et l'année dernière, c'était au mois de juin. Je vais vous raconter un peu les dramas de mon travail. Après, promis Noémie, je reviens sur ton commentaire. L'année dernière, c'était au mois de juin. Et donc, mon patron, il est parti en vacances, là, les vacances de février. Et avant de partir, il nous a dit, bon, bah, quand est-ce que vous voulez partir cette année pour le week-end en Tunisie? Donc voilà, il part. Pour moi et Diane, c'était logique que ce soit au mois de juin, puisque l'année dernière, on était parti au mois de juin, qu'on peut pas partir au mois de juillet parce que ce serait pas correct, comme c'est les vacances scolaires pour nos collègues de l'exploitation qui, eux, n'ont pas le droit de prendre de vacances pendant les vacances scolaire parce que au mois de juin, juillet, moi je travaille dans l'aérien, donc voilà, c'est la période la plus forte, on va dire. Un peu pour comme soft crush en ce moment, le printemps, quand tu travailles dans une jardinerie. Mais donc, du coup, on peut partir soit en juin, soit après les vacances, genre en septembre, octobre. Sauf que à la fin de la saison, une autre personne qui est tunisienne nous a dit non, c'est pas très bien, à la fin de la saison, tout est un peu fermé, etc. C'est pas top, il vaut mieux partir au début de la saison. Donc, on avait regardé pour juin et tout, avec Diab, on s'était calé plein de week-ends, etc., où on pouvait, quasiment tous, hein, en fait. Et là, il y a une autre collègue qui est maman et qui a une organisation. Franchement, je ne suis pas maman, mis à part d'un chien. Donc, je ne peux pas critiquer son organisation du tout. Mais c'est très, très compliqué. C'est une maman un peu poule stressée, voilà. Et du coup, elle a déjà un week-end en juin où elle laisse sa fille à ses parents.
parce qu'elle va à un mariage ou je sais pas trop quoi. Et du coup, elle nous a dit, je ne veux pas laisser ma fille à mes parents deux week-ends de suite. Moi, je vous dis vraiment mes états d'âme. Moi, ça m'a très étonnée parce que la manière dont j'ai été élevée, ma mère, elle me laissait chez ma grand-mère, genre peut-être des mois entiers quand elle ne pouvait pas s'occuper de moi. Et j'étais plus que heureuse d'être chez ma grand-mère. Et ma grand-mère était tellement heureuse de me garder. Mais ça, ok, genre, moi aussi, Cupidon, il me manquerait si je le laissais longtemps. Donc, je peux comprendre. Donc, du coup, ça a enlevé deux week-ends. Le week-end d'avant et le week-end d'après son week-end de mariage qui tombe au milieu de juin. Mais du coup, il restait deux week-ends en juin. Donc, on commence à trouver des week-ends, etc. Et là, elle nous dit... Non, mais du coup, si je laisse ma fille un week-end chez mes parents au mois de juin, je ne peux pas partir au mois de juin, je ne peux pas relaisser ma fille. Voilà. Du coup, bon, là, je vous en parle, on dirait que je ne suis pas du tout compréhensive. En vrai, je comprends un peu. Et en vrai, ça me passerait totalement au-dessus. Sauf que le week-end qu'elle a choisi pour partir, du coup, le week-end où elle est disponible, c'est le week-end de Nitopia, Philadelphie. Le week-end où moi, je voulais poser des vacances pour partir, sauf que ça, bah, je vais pas poser des vacances et tout le monde va en Tunisie et moi je vais ailleurs. Enfin, c'est un truc d'équipe, il faut qu'on soit tous là, etc. Et puis même, ça me fait plaisir de partir avec le reste de mes collègues et notamment cette maman là hein, que j'aime très fort. Hein. C'est juste là, ça m'a un peu saoulée. Voilà. Donc du coup, bah j'ai rien dit, mais après on en a parlé avec Diane parce que Diane non plus ça l'arrange pas des masses puisque elle avait prévu de partir en juin, on avait tous un peu prévu de partir en juin. Donc on verra. Mais du coup voilà, pour tout ça pour vous dire que je rêve d'aller à Nitopia Philadelphia et juste avant d'aller à Nit City Toronto puisque c'est juste avant, mais je sais pas si je vais y aller. Voilà, toute cette histoire pour ça. Alors, je me tâte à y aller, pardon, donc on parle des salons et des pop-up. Noémie, tu nous dis, je me tâte à y aller car j'ai déjà plus un rond avec les calendriers et je vis mal la frustration, je comprends totalement. En plus, je viens de gagner le concours de Ars Natura, félicitations! Je savais pas que c'était toi parce que j'ai vu qu'il y avait plein de personnes qui avaient gagné mais j'ai pas trop regardé les noms. C'est vrai que je devrais regarder maintenant que je connais plein de tricoteuses. Moi, j'avais pas participé, donc j'ai pas vérifié, mais félicitations, je suis trop contente pour toi. Je vais être obligée de prendre plus d'un coloris pour rentabiliser les frais de port et soutenir son travail. Eh ben, tu nous diras ce que tu as choisi, je suis très curieuse. Je te souhaite un bon salon si tu t'es décidée à y aller ce samedi. Merci beaucoup. À demain, je te fais plein de bisous et je te dis à demain. Bye Nakiali. Coucou Elie, ravie de te retrouver dès le petit déjeuner, mon rituel du matin depuis 2-3 jours. Et comme c'est le week-end, je vais pouvoir regarder ta vidéo en une seule fois. Merci. Petit déj pris, c'est parti. Je me pose avec toi, Cupichou, ta maman et ma chaussette en jacquard avec des chats. À tout à l'heure, peut-être, pour un nouveau commentaire. Bisous à tout le monde. Eh bien, merci beaucoup, Flavie. Ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir de t'avoir dans mes commentaires. Et en plus, en ce moment, sur mon écran. Léa Laïka qui nous dit génial. Ben, merci beaucoup. Françoise Leveder. Coucou Éléonore. Salut Cupidon. Mes salutations à ta maman. Je trouve fort sympathique de la retrouver au fil des épisodes. Quelle complicité entre vous. Et ben, merci beaucoup pour elle. J'ai vu passer l'annonce de Vava Tricot au sujet de son calendrier de l'Avent qui sortira prochainement. Mais je crois qu'il est... Il est déjà sorti, non ? Je ne veux pas te dire de bêtises, mais je vérifie ça tout de suite. Il me semblait bien qu'il était sorti ce calendrier. Ouais, il est sorti. C'est un calendrier de l'Avent 25 jours avec un patron de chaussettes. Enfin, il y aura plusieurs patrons de chaussettes, je crois. 20 écheveaux de 20 grammes, 4 écheveaux de 50 grammes et 1 écheveau de 100 grammes. Il y a des bases de fingering au choix, Merino Superwash Donegal 85-15, BFL Superwash Nylon 75-25, Merino Superwash Nylon Stellina. Et Merino Superwash Nylon.
où on peut choisir également un mix des quatre. Et il y a des goodies, des gourmandises et des surprises inclus. Et le prix est de 179 €. Par contre, juste une petite note, j'avais acheté sa box d'Halloween l'année dernière, forcément. Et la laine, j'avais de la Merino Superwash Nylon. J'avais trouvé qu'elle n'était pas extrêmement résistante, qu'elle avait feutré genre le premier jour que j'avais mis la paire de chaussettes. Donc, si tu as le choix, je te conseillerais plutôt une des autres bases. Donc, soit la Merino Superwash Donegal. Je ne sais pas, j'ai jamais testé ce genre de base. Ou alors la BFL Superwash Nylon. Peut-être que ça feutre moins. Voilà, juste pour info. Mais il est déjà sorti. Attends, du coup, je vérifie s'il est toujours... disponible parce que je ne sais pas. En tout cas, la couleur de mon écheveau d'Halloween était très belle. Hein. C'est juste que j'ai trouvé que la qualité de la laine, elle était un peu fragile, quoi. Calendrier de l'Avent. Ouais, il y en a encore. Il y en a tout à fait encore. Voilà. Alors. On continue. Bon week-end et bon tricot ou bien rencontre entre passionnés de laine. Merci beaucoup Françoise. Du coup, j'espère que tu réussiras à avoir le calendrier de tes rêves. Et je te fais plein de bisous. Bye Nakali. Merci Elé pour la réponse sur le bundle chaussettes issu des séries. Je vais aller voir ça tout à l'heure, signé Flavie. Et bien, j'espère que tu trouveras la paire de chaussettes de tes rêves. Peggy Broutin, gros bisous à toi. Bye Nakali, merci pour la comparaison des pointes d'aiguille. Moi, je suis team Shiagu Metal avec le câble rouge, suffisamment pointu centraux, comme les Aya Aya, vu que parfois je pousse avec mon doigt et comme je tricote serré, même si en ce moment j'essaye de me détendre du tricot, ça glisse tout seul sur le métal. Ah bah ouais, c'est sûr, ça glisse mieux, hein, mais après du coup tu perds aussi tes mailles, elles glissent. Il y a des avantages et des inconvénients, le tout c'est de tester les deux, je pense, pour trouver ce qui nous plaît le plus. Merci pour ton témoignage. Plein de bisous, Elé, Cupéchou et toutes les autres tricopines. À demain pour la suite de tes aventures. Je t'embrasse très très fort, Fabie, encore une fois. Mais ça me fait trop plaisir d'avoir tes commentaires. Isabelle M, qui nous a mis deux cœurs aujourd'hui. Plein de bisous à toi. Caro DRXH, gros 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 bisous. Et Béatrice Morrison, j'espère que tu vas bien. Je t'embrasse très très fort. Magali MGN, plein plein de bisous. Eh bien, je te fais également plein de bisous, Magali. J'adore tous les petits émojis que tu me mets à chaque fois. Sandrine Caselli, coucou jolie Éléonore. Ton pull de température s'annonce très très sympa. Et petit craquage quotidien pour le petit museau de Cupidon qui s'endort en mode petit renard. Belle journée à toi, ta maman et ton craquant toutou. Merci beaucoup, Sandrine. C'est adorable ton commentaire. Je t'embrasse très fort. Diège Chilé, coucou Elé, je te souhaite un bon week-end laineux. Bisous à Cupidon, ta maman et toi. Merci beaucoup Barbara. Je te souhaite également un très très bon week-end laineux. Plein de bisous. Chloé Bachet, profite bien de la fête de la laine. Moi, je vais passer mon week-end principalement à tricoter. Les meilleurs week-ends. J'espère que tu as bien tricoté, que tu as bien pris du plaisir. Je t'embrasse fort. Jocelyne Boll. Les perruches, j'en ai vu beaucoup aussi lors de mon voyage à Rome. Là-bas, on disait que c'était des oiseaux échappés de volières ou cages qui avaient repris leur liberté. Bon week-end et bisous à vous trois. Non mais en fait, c'est hyper drôle parce que vous m'avez écrit nombreusement que vous avez vu des perruches à des endroits totalement autres qu'à côté de l'aéroport. Et en fait, c'est un peu un défaut que j'ai, mais moi je trouve que c'est une qualité, c'est que je suis... égocentrique. Donc par exemple, j'ouvre la box tricot de Arco Iris. Il y a à l'intérieur un transfert avec écrit Demo Dog Mom. Donc Dog Mom. Et la première chose que je me dis dans ma tête, c'est elle me l'a mis spécialement pour moi puisque je suis une Dog Mom. Après, je vois des perruches. Depuis que je suis petite, on me dit que les perruches, elles sont que dans mon village, etc. Moi, j'en suis convaincue, mais là, mais évidemment que, genre, ce que vous me dites, je le crois. Mais à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, même si c'est un complet hasard, j'ai l'impression que c'est le destin
qui aligne les choses pour que ça se passe bien pour moi, même des trucs. Genre, avoir des perruches, ça va rien changer à ma vie, mis à part que ça me plaît, quoi. Mais, et du coup, j'ai tout le temps cette manière de penser là. Et du coup, quand je vous dis des trucs, faites attention, puisque peut-être que parfois, je vous dis des trucs qui sont vrais dans, entre guillemets, ma réalité. Mais, typiquement, s'il y a des perruches à Rome, qu'il y a des perruches à plein d'autres endroits, etc., c'est que je vous raconte des salades, en fait. Donc, voilà, c'est pas mon intention, hein, bien évidemment. En tout cas, merci, Jocelyne, de m'avoir partagé ce fun fact sur les perruches, parce que ça m'intéresse grave. Je t'embrasse très fort. Mélo Coton. Coucou Éléonore, c'est fou comme on se sent proche de toi quand on t'entend lire nos commentaires et y répondre. J'adore le dégradé que commence à avoir ton pull de température. Ça me donne envie de faire des chaussettes de température, mais ça attendra, je pense. Trop bonne idée ! Super bonne idée. Mais beaucoup de fil, du coup, quand même, à garder en tête. Pour mon voyage, mon chéri et moi partons à Tahiti, trop bien ! C'est une de mes destinations de rêve. Malheureusement, c'est une île où les chiens ne peuvent pas aller. Donc, j'y rêve sûrement jamais. Mais, oh là là, profitez bien. Ma mère habite là-bas depuis 2-3 ans. Donc, c'est la bonne excuse pour aller la voir. Trop bien, oh là là. Pour le kit chaussettes d'Arco Erythia et le terre-mer dans les tons bleu, vert et marron. Ma couleur préf de préf. Magnifique. Je commence à faire le châle iris d'Odile Knit dans un kit et le maximum de chaussettes que possible dans le deuxième. Bonne idée. J'adore tes vlogs, Mars. Tu es si douce, c'est un régal. Ne change pas. Gros bisous à toi et une papouille à Cupidon se sera transmis. Merci beaucoup de me partager ces réponses à mes questions. Et je te souhaite un excellent week-end, Léno. Microbe Tricote. Coucou Elé, merci beaucoup pour le comparatif des pointes aiguilles. J'ai craqué, mais raisonnablement, j'ai pris une paire d'aiguilles et un câble liqueur rose pour me faire une idée. Et si je tombe en amour, je déstockerai mes aiguilles en bois actuel. C'est une bonne idée. J'espère que tu aimeras bien, mais en tout cas, au moins là, tu peux tester sans trop t'engager. Et tu me diras ce que t'en penses, du coup. Je serai curieuse. Je ferai partie du 4 Jeux Olympiques avec un pull en jacquard assez costaud. Je suis sûre de ne pas l'avoir fini dans les temps, mais il me donne très envie et en même temps me fait très peur. Donc, je me challenge plus. Trop bien ! Trop bien ! J'ai hâte de voir tout ça. Des bisous à toi et au beau Cupidon d'amour. Je te fais plein de bisous. Et du coup, trop hâte que ce soit mon cal pour voir tout ça. Roudinette. Coucou, alors désolée, mais les perruches sont présentes dans toute l'île de France. La légende urbaine ici, c'est aussi une histoire de colis, mais à Orly, on est dans les Yvelines. Et ben voilà, c'est ce que je vous disais. Merci pour ton témoignage et je t'embrasse très fort. Breathe Knit and Rise, donc connue sous le nom de Lorraine. Coucou Elé, j'ai adoré voir ta maman et bravo pour le tricot les yeux bandés, je n'y arrive toujours pas. Mais je vais m'entraîner devant la série Shogun. Qui connaît ici? Il paraît qu'elle est officielle. Je ne connais pas du tout. C'est un truc japonais? Je ne sais pas. Je ne connais pas. Pour le cal olympique, je ferai le fil sweater de Camille Lavade. Oh, il est magnifique. Ou bien le heirloom jumper qu'une tricopine t'a partagé cette semaine et sur laquelle j'ai littéralement flashé. Trop beau. Oh là là, ça va être dur de choisir. Hein. Trop hâte de voir ça. Belle journée, soirée à toi et Cupichou. Et ben, on t'embrasse fort, Lorraine. J'espère que tu passes une très belle journée tricotesque. Ah, et tu reviens. Ah oui, et à Toulouse, on a aussi des perruches. Bon, ben voilà. Maintenant, vous m'avez démasqué. Moi qui étais persuadée. Mais bon, voilà. Du coup, c'est pas du tout la vérité. Mais ça me fait trop rire que vous m'écriviez ça. Gros bisous. Aurélie SRTK, coucou. J'ai pensé à toi hier car je suis allée au Festival des loisirs créatifs à Grenoble et j'ai acheté un livre de patron de chaussettes. Il s'agit du livre Chaussettes 20 modèles à tricoter toute l'année de Nina Latinen. Beaucoup de patrons me font très envie, dont Sororité, un bon modèle en jacquard. Je ne connais pas. Je vais aller voir. Le problème, c'est que j'ai peur que ce ne soit pas le nom sur Ravelry. Puisque le nom de la designer n'a pas l'air français. Donc, à mon avis, c'est un livre traduit. Je peux me tromper. Hein. Alors, voyons voir. Euh...
pied. Et du coup, sororité, tac, tac, tac. Je sais pas si on va trouver, mince. Parce que tous les noms des patrons sont écrits en... Je vais inventer et dire danois. Du coup, je ne connais pas la traduction de sororité en danois. Voilà, mais sinon, tous les modèles ont l'air super beaux. Donc, magnifique. Hâte de voir ça. J'espère que tu me montreras une photo. Alors, je te souhaite un très bon week-end tricot. Bisous. Eh bien, moi aussi, je te souhaite un super week-end tricot. Du coup, est-ce que tu vas monter tes chaussettes déjà ou pas encore ? J'espère que, quoi qu'il arrive, ton tricot sera bien. Quand le chat n'est pas là. Bisous à toi. Garance pas là. Coucou Éléonore, je suis trop contente de t'avoir vue aujourd'hui. Je n'avais pas vu ta story Insta, j'avais la tête pleine de laine et pouf, Cupidon et toi est apparu en matchy-matchy, je n'en ai pas cru mes yeux. Merci pour ce super moment, ça m'a fait vraiment trop plaisir. J'espère te recroiser bientôt. Si, ça m'a fait trop plaisir de te croiser, franchement toutes. Mais vraiment, c'était trop super. Genre, merci beaucoup. Vous m'avez fait vivre une journée splendide. C'était vraiment trop bien. Tout le monde, ça m'a fait trop trop plaisir. Pour finir, des confessions tricotesques. J'ai le dilemme de n'aimer que les aiguilles très pointues comme Aya Aya. Sinon, je trouve que ça ne marche pas bien, mais je me pique tout le temps. C'est idiot, je souffre pour mon art. Mince, si j'avais su, j'aurais regardé ton doigt. Le doigt, l'index gauche, pour voir si tu avais des petites cicatrices ou des petites cloques. Récemment, j'ai testé les Lantern Moon. C'est un budget, mais pour les tricopines qui aiment le bois, qui glisse bien, je les conseille. Ouais, elles sont belles. Hein. Elles sont très belles, ces aiguilles-là. Je n'ai jamais testé, je ne sais pas si ça me plairait ou pas. Mais elles ne sont pas roses. Du coup, je pense que je ne les testerai jamais parce que j'ai déjà des aiguilles roses qui me plaisent énormément. plein de bisous à tout le monde. On te fait d'énormes bisous. Encore une fois, c'était trop chouette de te rencontrer. Et j'espère aussi qu'on se retrouvera bientôt. Shania. Coucou Éléonore, enfin j'ai réussi à rattraper mes vlogs en retard. Un vrai régal. Tu es tellement lumineuse et bienveillante. Merci beaucoup. Ne t'excuse surtout pas pour tes achats laineux, tu as bien raison. Tu m'as l'air d'être une jeune fille qui a la tête sur les épaules et si ton budget te le permet, fonce, nous n'avons qu'une vie. Merci beaucoup, c'est tout à fait vrai. Je vais écouter tes bons conseils. Pour moi, pas de calendrier de l'Avent, mais je vivrai les tiens par procuration. Eh bien, écoute, tant mieux. Je ne manquerai pas de les montrer chaque jour pour toi aussi. Je vais être mamie début août. Oh, félicitations. Mais mon fils vit à Copenhague, ce qui signifie quelques billets d'avion à financer pour des visites régulières et voir ce petit bébé grandir. C'est beaucoup trop mignon. C'est trop mignon. Quand je lis des messages comme ça, du coup, j'ai du mal à imaginer que les parents de ma collègue ne veulent pas garder leur petit-fils, leur petite-fille, en plus c'est une fille. Elle s'appelle Garance. Et quand elle est née, on a tous trouvé que c'était un très joli prénom, en fait. Deux week-ends de suite. En sachant que la semaine, Anyway. je suis pas maman, je suis pas grand-mère. Je vous le dis à vous, mais sinon je ne dis rien parce que j'ai pas du tout ma place pour juger. J'ai d'ailleurs commencé à tricoter pour lui la couverture Augustine's No. 1 que Tricolibri avait présentée sur sa chaîne il y a peu. Une designer danoise, c'était un signe. Mais non, mais c'est trop mignon. Je connais très bien les patrons de Augustine's parce que je fais chaque année une de ses robes de Noël. Et j'adore. J'ai jamais fait de ces couvertures, mais je vois très bien à quoi elle ressemble. Et elle est splendide. Bébé trop chanceux. Quant à ton cal olympique, je suis partante, même si je sais que mon temps de tricot ne me permettra pas d'être dans les clous pour les délais. Mais comme disait Monsieur de Coubertin... Mais c'est qui? Ah, j'ai pas du tout la... Désolée. L'important, c'est de participer. Je vais réfléchir à un pull challenge. Trop bien, hâte de savoir lequel tu vas choisir. Peut-être de la brioche, à voir. Je ne vis pas en région parisienne, mais au pied d'un stade en province qui va accueillir bon nombre de matchs de foot, donc ça va être compliqué.
Ben, j'espère que du coup le cal te permettra un peu de sortir de cette ambiance un peu compliquée. Et j'ai hâte de savoir du coup ce que tu vas tricoter. Je t'envoie plein de belles choses à toi et à ta petite boule de poils. À demain. Merci beaucoup, c'est beaucoup trop gentil. Et je te dis à demain pour plus d'aventures tricot. Christine Le Douaron. Coucou Éléonore, finalement tu es présente à la fête de la laine à Malakoff. J'ai eu la chance de te voir, de te parler quelques instants et même de caresser Cupidon. Merci beaucoup d'être venue te présenter à moi, ça m'a fait beaucoup trop plaisir. Je t'embrasse super fort. Mais oui Christine, ça m'a fait extrêmement plaisir de te rencontrer. Gros bisous. Nathalie S. Coucou Éléonore, j'aimerais te rejoindre pour le cal olympique. Je pense à tricoter un t-shirt en chanvre. C'est 100% sortir de ma zone de confort, donc un défi de taille olympique pour moi. Super. En plus, s'il fait chaud à cette période, ce sera agréable à tricoter. Très bonne idée. C'est le seul bémol de mon cal olympique. C'est que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop tricoter quand il fait très chaud. Mais bon, on ne choisit pas quand est-ce que ça tombe. Ta chaussette jacquard plus auto-rayant est canon. Merci beaucoup, ton choix de couleur fait tout. Bravo, à bientôt, plein de bisous. Merci infiniment Nathalie, ça me fait trop plaisir et je te fais également plein de bisous. Sinvava, coucou, belle avancée sur ta chaussette en jacquard. C'est un de mes défis de l'année, tenter un peu plus de jacquard histoire de me détendre un peu. Ben, j'espère que ça va bien fonctionner pour toi. Tu m'as fait trop rire avec tes pattes Barbie, fâle jusqu'au bout. Je te fais plein de bisous. Jossie Hobbies. Coucou Éléonore, je découvre ta chaîne ici grâce à Nathalie Tricotte qui a parlé de toi et je suis ravie. Je trouve ta vidéo très très dynamique et tes ouvrages sont superbes. Dis donc, tu tricotes en marchant, à ce que j'ai compris, une vraie accro. Bah oui, franchement, je marche au moins une heure par jour. Donc ce serait une heure de tricot perdu, je ne peux pas accepter ça. Du coup, je m'abonne Inico et bienvenue sur la chaîne, ça me fait très plaisir. Pas de salon Malakoff pour moi, meilleure façon de ne pas être tentée. Surtout qu'il y a des copines teinturières sur place et qu'elles ont des écheveaux somptueux. Peut-être que tu fais référence à By Night Creations. Je ne sais pas en fait qui est ta copine, mais si c'est By Night Creations, elle avait des merveilles que j'ai pas pu montrer parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde à son stand, mais j'étais ravie pour elle. Et il y avait des merveilles dans plein d'autres stands d'ailleurs. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que ta copine était By Night Creations. Peut-être que j'ai fait un raccourci entre Nathalie Tricotte, qui est belge et qui, je crois, connaît By Night Creations. Et du coup, voilà. Je dois d'abord vider mes caisses. Yes, c'est ce qu'on devrait faire, hein, n'est-ce pas? J'espère que tu es impressionnée par ma détermination car ça me coûte beaucoup. Je suis extrêmement impressionnée. Ta complicité avec ta maman est adorable. Eh bien, merci beaucoup. Grosse, grosse bise à toutes les deux et une grosse caresse à Cupidon. La bouille à bisous. À très bientôt avec grand plaisir. Eh bien, ça me fait trop plaisir que tu nous aies rejoint. Et merci beaucoup pour ton adorable commentaire. Alors, comme j'ai parlé pendant pas mal longtemps, je regarde... j'ai reçu un autre... Non, ça va. C'était un commentaire en double. Donc, tout va bien. J'ai répondu à tout le monde. Donc, ça, c'est super. J'ai un petit peu avancé, hein, j'ai l'impression, sur le gilet. Voilà, voilà. Et sur ce, bah, je vais aller tricoter et aussi essayer mon pull et faire le rang du jour du pull de température. Ce serait bien. Alors, Cupidon, c'est vraiment une star. Déjà, il faut que je vous explique un truc. Dans ma tête, dans le monde du tricot, il y a deux catégories de personnes. Il y a les copines, genre les tricopines, c'est-à-dire vous toutes qui regardez mes vidéos et qui font des super beaux tricots, mais que je connais pas forcément très bien, mis à part ce que vous m'écrivez, parce que en ligne, vous n'êtes pas très présente, etc. Ce qui est pas grave du tout. Ça me fait très plaisir de vous d'apprendre à vous connaître d'une manière un peu plus organique, en mode on se parle et on apprend à se connaître plutôt que de vous espionner sur les réseaux pour apprendre à vous connaître. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai les tricopines et après j'ai les personnes que j'admire. Alors ça veut pas dire que c'est que vous mes tricopines je ne vous admire pas, mais c'est les personnes que je connais principalement à travers les réseaux sociaux, de ce que je vois et non pas de comment je discute avec eux.
genre Steven West, vous voyez, le mec, lui, il me connaît pas. Et moi, je l'admire beaucoup, mais je le connais pas vraiment. J'admire son travail. Vous voyez, il y a un peu une distinction. Et c'est pour ça que l'autre jour, par exemple, j'étais super touchée que Arco Iris, elle me considère parmi ses copines, parce que, donc Ludivine par Arco Iris, pour le coup, parce que moi, pendant très longtemps, Arco Iris, c'est une personne que j'ai admirée, on va dire, de loin. Et c'est au fur et à mesure du temps de la voir dans les salons, de discuter avec elle en message privé, etc., que c'est devenu une copine. Et ça me touche énormément. Après, une personne que vous admirez pendant longtemps, son travail, etc., surtout, je pense que vous savez que je suis très, très geek. Hein. Et donc, et forcément que je vais admirer une personne qui teint des laines inspirées de mondes fantastiques, etc. Donc, ça me touche énormément qu'elle me considère comme sa copine, comme c'est une personne que j'ai longtemps admirée. Au même titre que vous, je sais que quand vous revenez tous les jours sur mes vidéos, ça me touche énormément, que j'espère que vous aussi, vous me considérez comme votre copine. Et donc il y a une espèce de distinction qui se fait un peu comme ça dans mon cerveau et qui après devient un peu plus floue au fur et à mesure que j'apprends à connaître les personnes. Typiquement, par exemple, quand j'ai rencontré Bulbe Bizarre au pop-up d'Arco Iris à Paul Laine, la toute première fois. Elle avait aucune idée de qui j'étais. Donc, en gros, je lui ai dit « Bonjour, j'adore votre travail, mais moi, je vous dis tout le temps, si vous me voyez, venez me parler et tout, parce que pour moi, nous, on est déjà copines. Mais les personnes que moi, je connais pas trop, j'ose pas trop aller leur parler. » Donc voilà, je lui ai juste dit ça, et voilà, elle m'a dit « Ah, merci beaucoup et tout. » Et après, de fil en aiguille, maintenant, de temps en temps, on s'écrit des petits messages, enfin... je sais qu'elle avait regardé mon podcast de mois de janvier où j'ai dit que j'étais ultra fan en ce moment de La Reine des Neiges et qu'elle m'a dit que ça la faisait bien rigoler parce qu'elle savait déjà que le thème de son calendrier de l'Avent ça allait être La Reine des Neiges. En plus ça je l'ai dit à la fin du podcast donc ça veut dire qu'elle a vraiment regardé le truc en entier et tout. Donc je me dis moi c'est des personnes que j'admire qui maintenant deviennent des personnes avec qui j'ai un peu moins de retenue, vous voyez. Et du coup, forcément, ça me fait super plaisir. Donc voilà, c'est trop top. En tout cas, moi, j'espère que je suis toujours dans la catégorie des copines pour vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Et là, il vient de m'arriver un truc assez drôle. C'est que... Cupidon. Donc en fait, il y a une personne, je pense que vous devez connaître sa laine. C'est Prue Yarn Punk Rock Unicorn. C'est... Une amie de Charlotte Stone et elle vendait ses laines à Love Yarn Madrid sur le stand de Steven et Penelope, donc Steven West, enfin du magasin de Steven West. Et donc sa laine, elle est revendue au magasin de Steven West. Et donc c'est une personne que moi j'admire énormément son travail. J'ai pas eu l'occasion pour l'instant de tricoter sa laine, mais je la vois et je la trouve magnifique. Et en fait, avec Charlotte, on a très bien cliqué. Pareil, c'est une personne que j'admire énormément et qui maintenant, elle commente tout le temps mes stories. Enfin, ça me fait super plaisir, vous voyez. Et en plus, j'ai deviné un de ses designs pour le prochain livre. Alors en fait, quand on fouillait la valise, on regardait donc les chaussettes qu'elle avait déjà tricotées donc pour son livre actuel et d'autres patrons qui existent. Et à un moment, je vois, je peux rien vous dire, hein. Je vous raconte juste l'histoire parce que vous êtes mes copines, mais je peux pas vous dire parce que vous verrez bien, son livre il sort le 19 novembre, je crois. Et il y avait une paire de chaussettes et je lui dis waouh, mais ça pourrait grave faire 1-1-1. Et là, elle me dit, je lui fais bah, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, bah, c'est exactement ce que j'ai prévu pour mon deuxième livre. Donc voilà, donc. Clairement, genre maintenant, bah, je vois qu'on réfléchit un peu pareil et tout, ça me fait plaisir. et du coup, une de ses copines, c'était Prue Yarn et elle était à Love Yarn Madrid. Donc en fait, je lui ai dit bonjour quand on était à Love Yarn Madrid parce que j'essaye de toujours faire attention quand je vois une personne que je connais et avec des personnes que je ne connais pas, de quand même dire bonjour à tout le monde. Enfin, je trouve que ça se fait pas, quoi, voilà. Et, euh,
je sais pas trop comment, elle m'a suivie sur Insta et genre là je vois qu'elle commente la photo là que Aline a postée de Cupidon. Elle me dit: oh, votre chien est trop mignon. Mais genre c'est trop marrant comment Cupidon c'est grave une star. Aujourd'hui, plein de personnes qui m'ont dit: oh, Cupidon! Ça me fait trop rire parce que du coup, carrément, il y a une personne qui a commencé à dire: oh, Cupidon! Et je lui ai dit: mais salut, enfin tu me suis sur YouTube, parce que moi, de visage, je vous connais pas et donc je veux pas genre vous rater, etc. Elle me dit: ah non, non, c'est juste que je viens de vous entendre l'appeler. La honte. Mais ça va, la fille était super sympa et tout. Mais genre, et après elle a dit: bah du coup c'est quoi votre chaîne YouTube? Mais j'ai un peu senti qu'elle se sentait obligée de me demander, en mode je suis là, attention j'ai une chaîne, suivez-moi, alors que c'était pas du tout le cas. Et pareil, il y a une des bénévoles des fêtes de la laine qui a dit: ah, est-ce que Cupidon il a son bracelet jaune là, le truc pour rentrer et tout. Et du coup pareil, cette personne là je sais pas si c'est une très copine de la chaîne ou une personne qui m'a entendu parler du chien. Du coup, voilà, après, comme j'avais eu cette expérience où genre c'était un peu gênant, j'ai pas osé redire et tout. Mais d'ailleurs, ça me rappelle quand j'ai rencontré Laetitia des Trois Chats. C'était beaucoup trop bien. D'ailleurs, je regrette de pas l'avoir vue aujourd'hui parce que ça faisait deux week-ends de suite qu'on se voyait. D'ailleurs, avec Aline aussi, ça faisait deux week-ends de suite qu'on se voyait. J'espère que tu vas... à la fête de la santé de la laine à Rambouillet, Aline, la semaine prochaine. Non, mais en vrai de vrai, je trouve ça trop cool. Le monde du tricot, je suis peut-être un peu genre biaisée parce que je viens de faire un événement super, mais il est vraiment hyper accueillant. Des personnes qui ont genre des millions d'abonnés, ils vont quand même vous parler. Enfin, je sais pas. Par exemple, typiquement aujourd'hui, ce matin, j'ai pris... mon courage à deux mains, ok. J'ai écrit à Lysandre Ourdin. C'est une personne que je ne connais pas spécialement. Elle avait été très gentille, elle m'avait encouragée lors de mon challenge Je termine mes whips, mais on s'écrit pas régulièrement. Enfin, elle me connaît clairement pas. Moi, je la connais parce que je regarde ses vidéos, mais pareil, je la connais pas, on va dire. Et en fait, j'ai vu dans sa vidéo qu'elle disait qu'elle n'avait pas très bien suivi tous les calendriers qu'il y avait, etc. J'ai fini la première pelote de mon gilet, by the way, guys. Donc, j'ai vu qu'elle disait qu'elle n'avait pas très bien suivi tous les calendriers. Donc là, je me suis dit direct, mon récap des calendriers, ça lui servirait. Et puis, évidemment, il y a un calendrier qui m'a fait énormément penser à elle, que j'avais mis dans mon récap des calendriers. C'est le calendrier Fungus, donc le calendrier de Ivy Fiber Co., qui est la petite sœur de Artemisia. Enfin, c'est la même... Non, pardon. C'est la marque petite sœur de Artemisia. C'est la marque 100% naturelle, mais c'est toujours teint par la même personne. Je ne sais pas si Artemisia en a une petite sœur. Et donc, le thème, c'est fungus, donc techniquement les champignons. Je sais que Lysandre, moi, je suis avide de ses vidéos. Donc, je savais qu'elle aimait bien les champignons et tout. Donc, ce matin, je lui ai envoyé un message pour lui dire « Salut Lysandre, voilà, j'ai vu que tu n'avais pas forcément très bien suivi tous les calendriers qu'il y a. » J'ai fait un récap si tu veux et tout machin, donc je lui ai expliqué comment elle pouvait y accéder et après je lui ai dit: bon, j'ai vu que le calendrier que t'avais pris il a l'air trop bien, mais juste pour info, il y a ce calendrier sur les champignons, il m'a fait penser à toi. Et pareil, donc ça c'est une personne que j'admire énormément, ses patrons ils sont trop cool et tout, et le fait qu'elle me réponde vraiment dans la journée, sans prétention et tout, merci beaucoup, c'est trop gentil, on m'en avait parlé et tout. Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est... Je sais pas si dans le milieu du tricot, dans les autres milieux, c'est comme ça. En tout cas, dans le milieu du tricot, j'ai l'impression qu'il y a une vraie entente, une vraie entraide, que les gens qui, entre guillemets, s'exposent, qui ont des marques, etc., ils ont pas la grosse tête et tout. Enfin, même par exemple la bien-aimée que j'ai rencontrée à Love Yarn Madrid. C'est une personne qui met ses écheveaux à très cher. Voilà. Parce qu'il y a du travail derrière et que franchement, quand elle nous a fait sa masterclass, je comprenais pourquoi ses écheveaux ils étaient aussi chers. Mais
on pourrait penser c'est un peu de la laine de luxe et que elle aussi du coup elle va être un peu mais pas du tout hyper sympa. Elle parle super bien français. Enfin voilà, c'était juste ce que j'avais envie de vous communiquer. Je crois qu'en fait là, j'ai tellement eu des informations dans mon cerveau aujourd'hui que il est un peu en surchauffe là et qu'en gros, j'ai pas bien tout analysé ce qui m'était arrivé aujourd'hui. J'ai besoin de passer la nuit pour que ça se classe dans des cases. Et demain, j'aurai un petit peu plus les idées plus claires. Par contre, donc là, du coup, clairement, le gilet pour ce soir, on va dire que c'est bon. Je vais essayer le fameux pull de température. Allez, on se motive là. Il faut que je me bouge un peu. Alors, où est-ce qu'il est ? Ah oui, il est là. Alors, je vais vous mettre là. Attendez, je vous montre juste. J'ai de la lavande séchée à côté de mon lit. Voilà, bisous Virginie. Clairement, je vous ai changé de place parce que je trouvais que la lumière... et j'avais besoin de plus d'espace, donc je vous ai mis sur la commode. Donc là, je prends un câble de fil en attente, mise en attente du chat qui tricote. Je vais mettre sur mon pull. J'espère que ça va bien faire. Imaginez, depuis tout ce temps, je tricote un pull tous les jours depuis janvier pour qu'au final, ce soit genre ignoble. C'est la première fois que je l'essaye. Hein. Ou que je passe pas la tête, par exemple. Catastrophique. Alors, par contre, ça va être un peu tendax au niveau... Parce que j'ai besoin... Il me faut de l'espace. Alors, comment je vais faire? Je vais rentrer comme ça dedans. Première chose, je passe ma tête. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, il faut que je mette plus de matière sur mon Scooby-Doo. J'aurais peut-être dû faire ça avant. Alors, en fait, c'est dans l'autre sens, mais j'ai besoin de mou. Ok, je tourne un peu. Et en fait, le problème, c'est que je suis accrochée. Ça a l'air pas mal. Je trouve qu'on voit pas très, très bien. Ouh. Ok, j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave, je sais que je vais pas perdre mes mailles puisque parfois je les arrache de mes projets sans mettre de sécurité. Donc, faites pas gaffe à cette petite partie. Et en plus, il faut que je le fasse encore. Ben non, je vais le faire encore plus, mais vous inquiétez pas, hein, je vais récupérer toutes mes mailles après. Mais j'ai vraiment trop envie de l'essayer. Donc, sur la photo, par contre, c'est pas du tout pareil que moi. C'est-à-dire que, je sais pas, peut-être au blocage ou en tirant dessus. Là, j'avoue, j'ai pas non plus ultra envie de tirer dessus. Mais en gros, ça fait beaucoup plus... ça descend plus bas, quoi. Son col, il monte moins haut. Donc, je sais pas si c'est parce qu'en gros, son col, il est un peu plus comme ça. Je sais pas. Mais bon, même s'il monte jusqu'en haut comme ça, moi ça me dérange pas. Ça fait un peu Médicis, j'aime bien. Mais ouais, sinon c'est un peu plus comme ça. Et voilà le pull. Pour l'instant, je suis en train de mettre de plus en plus de mailles en freestyle. Parce que j'ai pas dû assez bien fixer mon Scooby-Doo, je sais pas. Ou peut-être que les aiguilles, elles sont un peu grosses. C'est des aiguilles de... Je m'en rappelle même plus. C'est des aiguilles de 6 mm. Peut-être que c'est un peu gros pour ce Scooby-Doo. Je ne sais pas. Mais sinon, c'est vraiment pas mal. Hein. Je suis bien contente. Du coup, dans le dos, là, je suis reliée comme dans un film de science-fiction hein, à toutes mes pelotes. Mais sinon, je suis bien contente. Je suis bien contente du résultat. Bon, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le faire pendant qu'il faisait un peu jour. Du coup, on voit moins. Genre, là, c'est pas tout de la même couleur.
J'ai dû alterner entre deux couleurs très très proches, je pense. Voilà, mais je suis bien contente. Je trouve que c'est un pull qui change vraiment. Et que si j'avais fait moi-même des rayures un peu aléatoires dans plein de couleurs différentes, j'aurais pas réussi à faire un résultat justement aussi aléatoire. Et je trouve que ça se goupille trop bien. Comme je vous disais la dernière fois, je suis tellement, tellement, tellement heureuse qu'il ait fait super froid quand j'en étais au moment de mon col. Parce que du coup, on dirait vraiment que c'est fait exprès, quoi. Au tout début janvier, il faisait pas très froid. Après, il s'est mis à faire bien froid. De certains jours, il faisait genre un tout petit peu moins froid. Enfin voilà, je trouve ça juste dingue. Je suis trop contente de mon truc. J'ai trop hâte. Donc là, je sais pas s'il faut que je... Faut pas que je sépare maintenant. Faut que je continue encore un peu parce que là, sinon, ça va être très serré, je pense. Mais donc, il faudrait que je continue un petit peu. De toute façon, je vais dire, je suis le patron, j'ai pas envie de faire des calculs, etc. Et après, je pense que je vais, une fois que j'aurai séparé, je vais tricoter les manches d'abord pour être sûre d'avoir des manches bien longues avant de faire le reste du corps. Voilà, restez connectés pour voir la suite de mon pull. Alors, bien évidemment, puisque c'est un projet sur toute l'année, il ne sera pas du tout terminé pendant les vlogs mars. Mais il sera terminé dans mes vidéos suivantes, donc les vidéos de la fin de l'année, si il ne lui arrive rien, j'espère pas, d'ici là. Voilà, voilà. Je pense que sur ce, je vais faire mon rang du jour. Et puis, je vais aller me coucher parce que il est quand même l'heure, surtout qu'on retourne à la fête de la laine demain. J'espère que vous avez passé une très très belle journée tricotesque à l'image de la mienne. Et je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot.